Mock light. Oh yeah. It's a Marnock light. Oh yeah. For a... It's a minute. Yeah. Oh, attends une minute. Ah oh, oui, ok, la vraie, la vraie, la vraie, la vraie, la vraie. Oh shit, la en bois. Ben, c'était celle qui était la plus proche, mais en même temps, je peux pas dire que c'est de la paresse parce qu'elle pèse deux tonnes. La deux bois. la table est dégueu. Est... Oui, la table est dégueu, mais est gars, de... on est dégueu. Non, mais là, ça pas... On va pas se filmer avec dégueu. Ça, c'est pas, ça pas... Stand pas... by la clap. On ah, peut-tu laisser mon poivron Oui. <laughs> Peux-tu laisser mon chou Mais les, là là, les gens misophones, ils vont me dire eh, pourquoi tu manges du chou. Ben c'est la vie. Hein. Les gens normaux là vont dire pourquoi ils mangent du chou je me suis apporté un demi chou. Hey, ouais. le chou ça se mange tout seul. Yeah. Le chou c'est bon. C'est une. Les gens, ils... pourquoi tu peux manger une carotte comme ça de même, out of the sack, mais pas un chou. Le Personne ne dit que tu peux pas, là. C'est fucking bon du chou. C'est comme une salade raide. Un peu. Mais c'est pour ça que c'est le fun. C'est comme, mettons, imagine la texture du kale, plus plus, mais le goût comme de la carotte mitoyante avec la salade. C'est comme si quelqu'un avait essayé de faire des chips et il avait vraiment pas réussi. Ben les chips de la nature. Oui, exact. <laughs> C'est le, les copeaux de bois, ça. Mais honnêtement, moi, je prédis, regarde, je vais faire une prédiction. Okay. Je prédis que t'es la seule personne qui va manger du chou cru cette année. La moitié d'un <laughs> chou dans son lunch. Ah, ben non! Personne d'autre a la moitié d'un chou cru. Hé, hey, prend... la gang de choux! Hit on me prend, prend un appel! On <laughs> prend un appel! Ouais, ouais. Non, non! Je suis pas le seul qui... Jamais... J'ai 39 ans, j'ai jamais vu ça. Hé, mais tu te tiens pas avec moi, <laughs> ben c'est ça qu'on dit, t'es la seule hey. personne, c'est vu qu'on se tient pas avec toi, on le sait pas, on a jamais vu ça. Des fois là, prends un chou, coupe ça en lamelle, fais une collation pour tout le monde, mets du chou sur la table. Si tout le monde mange ça, c'est débilement bon le chou. Ouais je sais, mais on dirait que tu vis dans le monde des hamsters. Il coupe, <laughs> il coupe du chou, il le met sur la table. Il me raconte le rêve. D'un rongeur. <laughs> tu coupes un peu de chou, Ouf. toute l'après-midi, c'est extraordinaire. Ouais, Moi, oublie ça. ça J'ai plus de toilette chez nous, juste de la rip à terre. <laughs> on se pose nos à terre, c'est pas grave, on la change au printemps. Juste de la rip. Ma chienne, adore ça. Le chou Oui. Eh Je lui donne des grosses tranches de chou. Puis. Euh, ça pas une preuve animale, quand même, de, de cette bonne idée. C'est bon. Donc, en date, il y a G et Chacha. Les Chacha sont deux. Dans hey, deux puis on chou. est là, puis les deux, on lit. Les... C'est bon, va faire comme Ouais, 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 pas mal. Rigole, là, mais je suis bien content pour toi que tu manges du chou. C'est bon, du chou. là. Oh, Philippe, j'ai pas branché le bon micro pour toi. Bon. Et voilà. Ça ne rien de travailler ici. Et voilà. Ça voilà. ne <laughs> ben, rien. Une chance, en as aperçu, là. Bon, fait que t'as-tu fait de la clap, mon beau? Ben non, j'attendais, là, une chance, hein? Pas grave. Attention. Je vais tout titrer ce que tu viens de dire. Je ouais. <laughs> pensais qu'il n'y en avait pas de montage. It's non. a hard Il va en avoir là, puis je pense que je vais juste t'imiter. <laughs> Parfait. Euh, là, euh, si je me trompe dessus, ou bienvenue au premier épisode de toute l'histoire de Tumoniaz qui sort le même jour qui est tourné? Oui. Le même jour. Euh, euh, oui. fait que ça, c'est une autre première. Ouais, ben c'est Tough Life Anonymous 2 colorisé. Live Anonymous, deux colorisé vidéo, oui. 2012. On est en 2012. mais c'était pas <laughs> supposé être ça. Non, ça se posait être une autre affaire, mais là, gars tu filais pas. Fait que là, là, j'ai apporté des affaires pour que les gens filent mieux. Là, je pensais que c'est les deux qui filaient pas. Fait que c'est toi qui file, Toi aussi, tu files pas. Je suis pas dans mon top, mais il bon. y a payé. Moi, okay. j'étais à moins 3 en ce moment. -là. Parce oui. Toi, tu es à moins 3. j'étais bon. à moins 3, là. qu'est-ce que là Aujourd'hui. Bien sûr, ça va être alimentaire aussi. <laughs> J'espère mais... qu'il m'a amené du chou. <laughs> non, mais en fait, tu sais, quand tu files pas des fois, une petite cuillère de sucre. C'est le fun. Fait que là, c'est des produits de l'érable. Fait que là, vous l'avez chacun. Oui. Vous avez chacun votre produit de l'érable. Puis j'ai apporté des petits cuillères. Fait que là, comme quand ça ne file pas, Pognon, pas tu de sucre. That's t'sais. a wise kid there. Tu sais, c'est un petit peu de dopamine. Fait que là, vous avez le choix entre euh... tire d'érable ou bot bar d'érable. Moi, je veux tout de suite une bouchée de bar d'érable. Non, c'est c'est vu du bar d'érable. C'est tellement toi, excellent. La, toi, tu as la tire. Fait que là, tu peux te faire des tirs. C'est tellement ça, bon. Ci. Merci, Jeff. C'est très gentil. C'est une façon très québécoise de gérer la dépression. Ben, tu sais, c'est ça. Ben voyons. Non. Les érables cool. Les, mais ça. juste dire, si depuis le début de ma vie, à chaque fois que j'avais pas filé, j'avais pris des cuillères de tir d'érable, je serais mort en ce moment. Oui. Je serais <laughs> décédé. Ah ouais. Oui, mais là aujourd'hui, <laughs> c'est correct, OK? <laughs> bon, bon, J'aurais plus dedans. Non, tu peux pas passer au travers, tu vas virer complètement. Coucou, coucou, coucou. Crazy. I'm already uh, coco crazy. Non, non, mais ça c'est tu vas, Ok, ah, cul sec, cul sec, cul sec. Bon, les cheveux tirent. Ouais. Aye, mais cheveux. ça là, ça là, ça j'ai ça dans mon frigo là, puis des fois je m'en pogne. Tu Hey, il reste peut-être un petit banc de neige de bord, dehors, qu'on pourrait comme mettre ça dessus, <laughs> deux, trois garnettes. <laughs> ouais, puis en plus c'est bon, salé sucré. Sucré salé, c'est excellent. C'est excellent. C'est la seule cabane à sucre qu'on peut se permettre maintenant. Oui, exact. À un moment donné, on en avait fait du... De la, right. la tire rats. Oh, oui, je sais. Mais c'est bon, mmh. tabarnak. Hein. C'était rat, hein, là. <laughs> Maintenant, que... je me sens mal et énergisé. <laughs> J'ai ben, comme un petit roche pour filer les mal plus vite, le plus... Euh... <laughs> oh, ouais. Plus fort, mais merci, c'est très gentil. c'est Très vraiment. bon. Je vous hein. un cadeau, on la nation du sucre d'érable, ouais. mais que c'est comme euh, super rare chez nous. Hé non, mais c'est parce que ça, ça dure full longtemps au frigo, là. Tu pognes une petite cuillerée, là. Ben pas toi, là, peut-être pas toi, mais. Mais ça doit coûter comme 17$. Ça. Oui, mais c'est ça, mais sauf que ça peut durer trois mois, tu sais. Ben là, voyons, t'exagères. <laughs> trois mois, là, là toi, t'exagères. Hey, je me pogne des mini-cuillères. C'est comme un suçon, ça suce longtemps, là. Ben, oh, moi, ouais, mais ouais. moi j'ai des problèmes de consommation de sucre là. C'est pas facile. Ok, d'accord, mais ça c'est bon. Mais ça c'est beaucoup trop sucré, tu peux pas en manger. Tu peux pas man... Si tu manges le pot, au complex, non, non, c le ça pot, non, 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 pas, non là. mais euh... c'est ça, fais pas ça là. Possible dérapage. Mais oui, mais non, mais en tout cas, fait que wow, merci euh, pour le vous sucre. Souvenez vous souvenez-vous quand on est allé au premier chalet qu'on a fait, puis qu'il y avait comme les petites bibites dans la neige? Tu sais, on allait fumer, puis il y avait comme des petites... Oh, C'était comme, ah oui, oui. comme noir à terre. On faisait, oui. Voyons, c'est quoi? On ouais. dirait de la saleté, tu sais. La saleté, pis quoi? Pis la saleté vivante. ouais puis là, ça, ça grouillait. On comme, voyons C'est comme des petits verres, tu sais. Puis il y a ça, en fait, dans, quand tu es proche d'un cours d'eau, il y a ça dans la neige. Fait qu'il comme... faut faire attention quand on fait notre tir, c'est ça. Puis là, pis là okay. ma blonde, la semaine d'après, on est allé dans un chalet avec d'autres mondes. Puis là, eux autres, ils faisaient de la tir sans neige, tout ça. Puis là... T'sais, ça ça se voyait pas vraiment bien à l'œil nu, Tu la genre de saleté. Tu faisais. Fallait vraiment que tu te rapproches, tu ouais, ouais, juste là, dans des gris Comme s'il y avait juste de la poussière qui avait tombé bon. dans Moi, je suis pas là, je suis pas présent pour la tire, T'sais, Tout ça, je fais d'autres choses. Il est pas là pour superviser, Chris. Mais non, parce que tu sais, genre. Mangeais un demi-chou en dedans. <rire> <rire> fait que là, une je sors à, à l'extérieur, puis là, ils sont tous avec leur bâton dans la gueule, miam miam miam, je fais comme. Aïe, aïe, aïe! Euh, parce que là vous mangez des bébites, regardez! Ah, oh, party pooper, regardez, en crise, hein. Puis là, ma blonde elle a fait comme tu dis les pas, tu sais. Oh. Mais oui, mais arrêtez, là, vous mangez les bébites qu'il y a dans la neige! En tout cas. Ben, ben c'est le futur, manger des insectes, ça. C'est juste d'habitude. Ben, faut qu'on concentrer. C'est un entend. peu la version cheap de Jurassic Park où tu as des petits insectes dans de la tire. Oui. <laughs> mais tu peux non. pas les conserver pour toujours, non 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 non. Non non Ça n'est pas ah, ça serait cool sur un collier comme de tir. Avec plein de bébites, tu sais, ouais. ah, Un collier ah, de tir, ah. par exemple, c'est top pour le chandail. Oh <laughs> my god. C est... C est... Hey, tu sais là-dedans, là, après qu'est-ce qui se passe oh, là <laughs> Non non, c'est ça. Non, mais il faudrait que ça soit comme dans de la glycérine, je sais pas trop là, tu sais la patate de Ouais, ouais, il faudrait que ça soit contenu Ouais, Oui oui, dans quelque chose. Hey, mais en même temps, ça aussi c'est québécois tout de top, un collier de tir, c'est comme waouh. Avec un bracelet c'est comme spécial partie, parce que <laughs> c'est spécial parce que le symbole de la tire, c'est la feuille d'érable, ce qui est comme un peu plus le symbole fédéral, tu sais, le Canada, mais tu sais, faudrait comme peut-être ça pourrait être une affaire en, en feuille de en feuille de fleur de lys en tire. D'ailleurs, qu'est-ce le... qu'ils vont faire le Canada quand il n'y aura plus d'érables Bon là, cheap là, un ouais. niaiseux là. Ouais. Oups. On a tout ouais ben c'est ouais, ça. Ben, peut-être que a... le symbole du Canada ça va devenir une flamme genre ou quelque chose dans... ou juste ouais. un arbre mort. Ouais. Ben, tu sais il y a plein de pays aussi que comme ils en ont pas le dragon avec des couronnes, c'est vrai. gens c'est vrai. Des gens de ouais. lion dragon. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y en avait avant puis ils ont tout de Ça c'est vrai par ça. exemple. Ouais. On n'a pas appris. C'est ça qu'on qu fait. Non, non c'est vrai ça. Exactement. Ouais. Hey, moi, cette semaine, j'ai vu une nouvelle émission à TVA, puis je dois dire que ça continue de bien aller, la télévision. Je <laughs> euh, suis tombé là-dessus par hasard. Euh, ça s'appelle, je crois, « Chef de bois okay. ». Et c'est Martin Picard qui fait une compétition de cuisine dans le bois. Fait que tu un petit peu comme tout maintenant, c'est que tout est la même affaire, mais comme avec des variations. Uh -huh. Genre, concours de cuisine, mais dans l'espace, dans l'eau. Dans... Lui, lui et les autres sont dans le bois. Fait que là, les chefs vont comme camper là. Puis honnêtement, Martin Picard... Je m'excuse là, mais il peut pas animer une émission. Il est comme il est, il est pas tout là. Tu sais mettons, il venait présenter son plus les cuisines dehors aussi, mais tu sais tout est un peu comme vous êtes pas vraiment dehors, puis il y a rien de ça qui est la nature, là, vous amenez comme deux trailers full de gear mm -hmm. avec des toilettes chimiques ah comme, ouais. dans toutes vos affaires puis des génératrices d'électricité dans le bois, il y a absolument zéro animaux. À <rires> 5 kilomètres <km, rires> ouais, à 5 km en ce moment. Les animaux ont tous quitté, il était comme what the fuck is going on? Quoi il y a une pépine genre dans mon. Puis euh... là, eux autres sont là, puis là, mettons, ils préparent, je sais pas qu'ils se préparaient, là, de l'orignal. Puis lui, il goûtait à tous les plats, puis il était comme, T'as goûté l'orignal. J'aime ça. <laughs> C'est tout. Puis là, t'es comme, mais non, mais là, euh, ça peut pas être ça, le Martin. Là. <laughs> Genre, il a l'air, je sais pas comment dire. Puis je trouve ça tellement indécent aussi, tout ça, des fois. J'aime ça la cuisine, puis j'aime ça manger, mais je me dis, aussi qu'on est rendu aussi, qu'on est là, qu'il faut élever nos plats, qu'il faut. C'est vraiment important ça, genre. Je, puis je, 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 dis pas, je trouve qu'il y a comme un snobisme là-dedans aussi, puis une bourgeoisie extrême. J'aime ça bien manger, là. Mais je trouve. Et où la ligne où ce que ça devient juste ridicule? Mm -hmm. Que là, on juge des plats qu'on sera jamais capable de faire. Ah, t'es regarde ça. Je dis quand même, à la dernière fois tu as mangé de l'Orignal? Ben ça fait longtemps. Puis là, là c'est pas assez bon, mais clairement ils sont toutes meilleurs que nous autres. Là. Oh, ouais Puis là c'est pas ça, puis là c'est pas assez, puis tu n'as pas bien utilisé la myrtille, là, Tu regardes ton sacoche au oh, jambon, tu t'es comme c'est ça. <laughs> puis je suis pas capable de me payer de l'épicerie ces temps-ci <laughs> parce que tout est trop cher. <laughs> mais il y a des STDP à pas télé qui sont en fait de l'Orignal à 800 que genre <laughs> ça me dérange. Là. <laughs> mais écoute, une compétition culinaire qu là qui coûte maximum 2 j'aimerais savoir ça. Hey, une compétition de collation, là. Ouais. Une ouais. poignée de noix, bravo! D'après moi, je gagne! Ben, ouais. Mais là, <laughs> un tu ce qu'on a vraiment besoin en ce moment, c'est ça, c'est pas d'un autre Ricardo là, différent, un Ricardo de campagne ou un Ricardo de bois. On a besoin, c'est vrai ça, d'un chef qui dit Putain, j'ai un repas pour ce soir. C'est un ficello puis une tranche de pain. Bonne semaine. On n'a pas d'argent, Kholis. On peut plus rien faire. Hey, il faut on le a fini ça, plus. Des fois, je suis né moutarde hier. C'est ça. Des fois, je là. J'ai pas le goût de cuisiner là. On peut juste manger trois céleris puis des raisins et de ok là. <laughs> Les repas. C'est quoi cette affaire là? Tout toi, en plus, qui défendais ça, c'est facile les repas. C'est pas que c'est facile ou pas. C'est que c'est pas important. <laughs> Les repas. Les repas de quoi? Je suis tout seul pour manger. il m'a manger quand je veux. Là. Ah, mais là, là -dessus, je suis d'accord là-dessus. Là. Toi, c'est ça. Tu as passé une semaine seule, seul aussi et tu as réalisé des petites affaires. Ouais, j'ai réalisé. Tu as réalisé des que... petites <laughs> affaires. Hein? Tu as réalisé parce que c'est vrai. Non, mais c'est correct. là, oh, Je veux ouais. dire, euh, ça arrive à tout le monde. Mais c'est ça, c'est parce que ta blonde est partie genre une semaine, dix jours. Ouais. Fait que là, tu étais vraiment tout seul à la maison. Parce que toi, d'habitude, tu es pas mal à la maison, mais tu délises bien avec. Ouais. Sauf que tu n'es pas tout seul seul. C'est ça. C'est ça puis là, t'étais un petit peu plus seul-seul, puis t'as comme pogné une zone tout ça un peu, euh, ouf, euh, ouais. je suis seul, là. Oui, oui, je suis seul. Puis comme, euh, tu sais, avant, on était deux pour gérer la chienne. <laughs> c'est vrai vraiment, vraiment être bizarre ce que je veux dire. Ouais OK. Hein. Mais, elle est tout le temps constamment à un mètre de moi. Ah, oh, c'est ça, ça c'est t'en peux plus, des fois? J'ai, sérieux, il a fallu que je sorte pour comme m'éloigner. Mais comme là, mettons, en ce moment, là, là tu le laisses à la maison, à ouais. capote-tu? Non, non. C'est je... juste que quand t'es là, tu es, là, es là, y a y a rien rien comme ton ombre. Puis ça devient lourd, mais quand même, même mais si tu l'aimes, que que c'est le fun. Genre, elle est à un mètre de moi, puis elle me regarde de même. <laughs> c'est vrai que c'est moi un stalker, finalement. Tout le temps, mais comme tout le temps en train de me regarder. Su... Les chiens, c'est hyper ça. problématique. C'est tout le temps en train de me regarder. Puis là, tu sais, des fois, je la vois dans mon. Je fais quelque chose, puis là, mettons que je fais juste me redresser. Là, elle fait comme, oh fuck, il va peut-être se lever, puis là, elle devient bien énervée. Puis là, je suis comme, ah, tu me gosses, là, fais juste te coucher, t'arrêtes arrête de me. À chaque fois que je bouge, je s'ai rendu que je bouge pas parce que ça m'énerve qu'elle comme ouais. excitée que je bouge. Non, non. <laughs> Genre, c'est ça, là. Mais J'ai vécu ça en fin de semaine. Je suis allé garder le chien à ma sœur parce qu'elle était pas là. Et puis, c'était ça, là. C'est de la sollicitation, là, non-stop. C'est quoi son chien C'est un caniche. Non euh, Non, moyen. Moyen. Là. Un caniche Et moyen. Beaucoup, beaucoup d'énergie, très jeune, mais non-stop. À un moment donné, tu à, il, il réussit à, 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 à s'apaiser. Mais tu fais « cool », tu vas aux toilettes, puis ça repart. C'est ça c'est comme Fait qu'on joue, tu fais non je pisse. On c écoute ça. un film. <laughs> ouais. Mais non ouais, stop. C'est une grosse charge mentale un chien quand même. Euh, oui oui le, oui oui oui. Mais comme je pense que je l'ai mal élevé, c'est comme euh... non mais aussi tu l'as pas élevé. il faudra se rappeler de ça. Tu ouais. l'as eu toi déjà de quelqu'un d'autre. Oui mais j'ai. Et elle quand avait même... quand même des problématiques de stress, de justement de ouais, ouais. De, 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 de peur de, à cause de, de ces personnes là. Non non mais... non mais un peu à cause de quand même qu'est-ce qu'elle ouais, a vécu puis tout ouais, ça. Ouais, fait ouais. que là toi, tu repars de là, tu fais aussi du mieux que tu peux. Je dis pas que genre as tout bien fait, mais c'est pas non plus de ta faute. T'es parti avec un projet, puis là, toi, c'est que tu lui as donné full d'amour puis d'attention. Je peux plus manger rien sans qu'elle me demande de Mais ça, c'est le classique des animaux. Là. Tu leur donnes une fois à manger de la ah, bouffe, ouais. c'est terminé, là. Ouais. Tu vas toujours t'en faire Même, t en t en après, même si t'arrêtes pendant huit ans, ouais. il va continuer à... C'est comme... C'est ouais. dur, mais c'est normal en même temps, là. Mais en plus, parce que là, j'ai fait comprendre que, genre, laisse-moi tranquille, esti, puis je fais comme, ah ouais, va-t'en ailleurs, puis là elle devient comme full oh, triste fait que là, toi, es là pris, ça devient oh, comme quick quick quick, quick oh, mon ouais. cap je suis comme oh non oh non reviens puis là je suis comme oh. mais en même temps c'est parce qu'elle n'a pas d'autres amis aussi c'est ça c'est que vous êtes les deux seules personnes dans puis sinon tu sais les gens qui viennent chez vous un peu mais, mais elle n'a pas de relation avec eux vraiment juste à travers vous fait que vous êtes c'est comme le seul rapport qu'elle a avec l'existence passe par vous. Mais là, quand ta blonde va revenir, tu vas être comme Chacha avec ta blonde parce que tu étais tout seul, puis là, c'est l'enfant, et que tu vas la suivre. Non, non, non. je Ça va être le fun. Je vais pouvoir être avec elle, puis comme. C'est ça. Je vais pas Non, mais Galil, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Ok. Je peux juste regarder, mais checker la télé, parce que moi, j'ai déjà vu ça. On peut juste mettre le bout dans le code de porte, c'est pas. Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu lis Tu le fun Dérange-tu, je te regarde Oui. Peux-tu lire à voix haute. T'as-tu faim t'as joué c'est ça du chou c'est super bon <laughs> ouais, ouais 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 non mais c'est bien parce que tu sais ma chienne elle va entre nous deux tu sais comme là des fois oh, mettons, ouais c'est ça des fois quand elle toi, va elle se, se coller là, sur ouais. ma blanche hein, pour que ça revient tu sais il y a comme une il y a comme une respiration tu sais mm -hmm. qui est bien le fun mais là c'est ça euh, mais tu sais je l'adore pareil là c'est rendu qu'elle me réveille le matin pour que je la flatte ça c'est un peu euh... mais tu sais la face parce que c'est tellement cute, mais oui okay? mais oui genre je suis couché comme ça de même là elle se met la tête ici comme ça elle fait comme pis là je la flatte comme ça c'est juste je suis un peu endormi Puis elle fait ah oh, oui ah oh, oui ah oh, ça fait du bien tu sais quand tu grattes quelqu'un dans le dos il fait comme ah oh, 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 ouais ah oh, ouais, oh, ouais oh, plus en bas plus à gauche plus en haut la même affaire fait que là c'est comme ah oh, j'aime ça là puis je l'entends comme puis mémé comme je le sais que c'est de l'affection, fait que je suis comme, tu sais, je me réveille avec ça. C'est ben mais tu sais, oui, se, faire le beau. Fun mais se faire réveiller par quelqu'un ah. parce qu'il a besoin que tu l'aimes, c'est quand même quelque chose. <laughs> Tu peux tu m'aimer, je peux t'aimer à 10 heures tantôt. <laughs> là. Ouais, ouais, ouais. Comme là on dort, mais ça me semble d'habitude quand on dort, on comprend ça, là, que c'est pas maintenant. Mais, mais les animaux ils ont pas ça. Les, les animaux comprennent pas le français, mais ils comprennent le langage. L'intonation ouais. aussi ouais. euh, des à fois. Fait je, je me suis réveillé, j'ai fait comme là là ok là, je veux dormir. Okay? tas tu compris? <laughs> puis Elle a fait comme oui, ouais. ok. Puis elle m'a pas dérangé, elle s'est couchée aux pieds, puis elle me elle laissait dormir. Fait qu'elle a catché que ça me tentait pas. Hey ouais. Peut-être que tu devrais genre y acheter un petit perroquet ou quelque chose. Là, ouais, comme ouais. ça, le reste son non, mais lui qui va être pogné avec deux. Là, mais moi, ouais. je pensais peut-être un chihuahua plus petit. Comme ça, on va pas s'en occuper. Oh, ben, ça a ai l'air c... d'être sur papier. J'ai l'impression ah, qu'il y a ouais. bien du monde qui ont cette idée-là qui est pas nécessairement fausse. Que tu as un chien, c'est bien aussi parce qu'ils sont deux puis ils s'ennuient pas, mais c'est aussi toi qui s'occupe de deux chiens maintenant. Il faut pas que tu oublies ça. c'est pas comme mm. les chiens s'occupent l'un de l'autre. Comme totalement. Ça non, non, c'est Ils ne pas la porte à l'autre quand qu'il y a besoin d'aller dehors. Ah, ouais, ils se nourrissent pas. En non, 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 non. non ils vont ouais. quand même vouloir tes flats tout le temps. Là. De, ouais. Les, les deux. deux. Les deux. Fait que là, si un, ils vont en avoir ils vont juste avoir plus de fun quand tu n'es pas là. Ouais. Mais... Là, sa nouvelle affaire aussi, c'est de se coucher sur mes cheveux pour être sûr que je me réveille. tu sais parce, parce que tu as tellement des beaux cheveux. J'ai des longs. D'ailleurs, tu les laisses aller pour toujours maintenant Moi, je ne vois plus ça. Moi, je ne vois plus ça. Le coiffeur, la coiffeuse je ne vois plus Moi non plus, je ne vois plus ça. Ça fait deux ans que je suis pas allé. J'ai vraiment hâte en genre 2045. Mes cheveux vont être aux fesses. tu On <laughs> se <'y> comprend. <coupera. rire> ah oui. Live. On se fera des tresses. Oh. Ça, ça va être super pour le Il n'y a, pas, ouais, y a oui. pas, épais là dedans. Garde. Les petites tresses de soie. Il va, soi. Il va en avoir deux. Deux mais je trouve que ça te donne le look camionneur international. Ouais. T'as l'air d'un gars qui fait des routes de 6000 km kilomètres puis il euh, en a vu, pis du qui. Il vu Dans sa boîte. <laughs> oui. ouais. Il a pas <laughs> le temps de les coupes de cheveux, il est dans son train. Ouais, pas le temps. C'est overrated ça. Après, de Repeat, euh, Re là, c'est tout. Là, je mets des chandails puis j'aille ça, puis je suis comme tout le temps. Ah, faut que je les sorte. Euh, voyons là, tu sais, c'est rendu là, là. Mais en même temps, c'est vrai que ça donne un look quand même. Euh, J'aime ça. Ouais. Super G. Mais c est, c est, moi le, le seul moment où je vois ces cheveux là ok ne je me regarde pas dans le miroir je me regarde quand je me brosse les dents mettons là, mais tu te que... vois mais tu te regardes mais pas c'est pas, pas mes cheveux que je regarde quand je me brosse les dents tu regardes Alors, je, je regarde comme euh, comment je suis rendu gros plus ça mon dieu c'est pas, pas mon dit. poids ouais, non, je me juge même... les dents dans la cuisine tu te juges là-dessus oui beaucoup pourquoi parce que je, je me laisse vraiment comme aller ces tensions dirait que je me sens pas bien dans mon corps okay. puis je me juge par rapport à ça mais là on parle de mes cheveux, on va revenir à tout ça après. J'ai un miroir comme dans mon couloir, tu sais là comme genre dans mon entrée, il y a comme un miroir puis c'est juste quand que je me déplace entre mon bureau puis la cuisine où là je vois mes cheveux puis ils sont tout le temps dans le vent. Oh! <laughs> ils sont tout le temps comme des heures de vent comme ça. C'est tellement fin. Tu sais comme j'ai des tout petits cheveux, j'ai rien puis tu sais ça j'ai vraiment comme une molette au vent puis Comment pourquoi ça? Wow, ça Ouais, ouais. c'est comme un petit mouchoir <laughs> en arrière C'est tout ce qui me reste, tu sais, je n'ai plus de ça, non, non, c'est terminé. Là. On est à la même place. Pis, tu oui. trouves -tu ça grave, ça te dérange tu ben, c'est sûr que tu sais, c'est associé beaucoup à la masculinité, non, les cheveux Ben oh, non, oui. non, mais oui, mais je veux dire qu'est-ce que ça veut dire t'sais. Mais pour c'est sûr qu'il y, a... y a bien des choses de masculinité un... que tu veux pas aussi, Travail là. à faire par rapport à ça, mm -hmm. à accepter ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, comme il y en a plein qui ont recours à la greffe de cheveux. Puis, surtout, mettons dans le domaine où moi je suis, tu sais, comme comédien, un peu la télévision, tu sais, comme être plus. De quoi ça On veut des noms. On veut des noms Non, non, non. Il y en a, il y en a plein. Pas mal, tous les gars, là. Toutes les gars ont des greffes de cheveux, scoop Ben oui, là, genre. Aïe aïe Ça, je savais pas, par exemple. Je comprends la difficulté à un moment de faire Okay. je fais que ça puis ça pas avec mes en haut de mais pas haute haute comme... 40 ans là es à TV es c'est pas, pas exactement chances, comme là. toutes les choses je sais pas comment dire de la même façon justement que prendre du poids on se juge aussi on a... en fait c'est qu'on a peur aussi de ce que les autres pensent de nous en fonction aussi de des fois un peu ce que nous on pense des autres tu sais comme on dirait qu'on se fait tout ça ce jeu là mental mais ouais. ça c'est vrai je suis sûr pour la perte de cheveux de quoi, là, Dès que de ouais. quelque chose de différent de ouais. la maladie de peau tu commences à faire des plaques ou n'importe tu es comme asti de colis ouais. ça ben oui, fait tout en... ça des fois j'ai deux boutons je suis comme asti que je suis cette semaine ouais, ouais, ouais. j'ai c'est ça j'ai eu full d'eczéma ben, vraiment plus jeune mais moi je n'ai pas eu d'en face mais il y a des gens que je connais qui l'ont eu dans le visage c'est dur, ça, dur. Ouais, ben, ben, moi ben, c'était oui. dur mais je mettais mes mains dans mon chandail au pire les gens te pas les mains mais c'est pas d'en face ouais comme c'est rough là ouais 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 tu peux te regarder longtemps de même fait que, que je comprends qu on mais nice. on se fait tout ça il faut quand même essayer ah, de oui. se détacher parce que tu anyway, t'as l'air de ce que tu as de l'air peu oui. importe à quel point tu te juges tu, sais, tu peux euh, des fois là, justement tu pourrais te faire graffer des cheveux ou tu peux euh, t'entraîner comme un débile là, si tu veux devenir full cut fait que t'as quand même tu, sais, tu peux changer des choses à propos mais il y a plein de choses aussi que peu importe là, même si tu as graffé des cheveux je veux dire on vieillit là tu vas pas, on va pas tu peux pas garder Et cette ce combat-là. Ce combat -là de toi, là, on ouais. dirait que c'est le même que ce combat-là de genre, tu vas t'épiler, mm -hmm. puis ensuite, plus vieux, tu vas te greffer des cheveux. <laughs> comme puis on imagine, là, c'est beaucoup d'efforts pour aller contre ce qui est là. là ouais. puis ouais. Imagine ouais. si ouais. nous autres, on trouve ça dur. Comment, mettons, les femmes, ils doivent trouver ça dur? Parce que déjà, ils partent avec comme une genre d'obligation sociétale de ouais. plus plaire ouais. physiquement selon des standards vraiment spécifiques. Ouais, c'est vrai les que les hommes a... aussi, un peu. Moi, il y a juste moi, moins moments convaincre là. de m'en colisser. On ne me le rappelle pas constamment. Chris s'est mal habillé dans le tournage. Non, personne ne parle de ça. Mais tu le sens quand même. Je veux dire, malgré. Je ne pense pas qu'on est le monde qui s'en fout le plus avec ça. Mais je veux dire, moi, je ne connais pas personne qui dit, mettons, je m'encolisse complètement. Je n'ai aucun rapport avec ça. Je n'y croirais pas. C'est dur de parler pas avoir de rapport avec ça. Lundi, je suis allé voir un show à l'Astral. Ça fait longtemps, là, Chris, que j'ai pris le métro puis tout, mais je suis pas allé en jogging. J'ai mis des, des jeans mmh. puis un chandail. Parce genre. que je pas, avais parce le sais pas. Parce que là j'allais voir. Trop déglingué, ben, genre. Ça allait de soi. J'ai ouais. sorti des jeans puis j'ai mis des jeans. J'étais pas mal là pour autant, mais comme je le fais, comme pourquoi je peux aller comme ça mmh. Clairement, c'était comme ah, je veux pas aller là comme ça. Ouais. Mais dans le fond, je suis fucking bien là-dedans là. là. Ouais, oui. Ben, hey. ben oui. Je vis un peu la même affaire aussi. Mais tu sais, des fois aussi, t'as le goût d'être comme plus présentable, entre guillemets. Là, ouais, si des fois, c'est pas ça. mauvais de se trouver beau dans un saut. Ouais, c'est ça. Non, il y a sais... clairement <coughs> des avantages à, à des fois se sentir bien. Puis effectivement, je suis bien moi aussi, je suis bien d'accord avec c'est le fun d'être confortable et tout. Mais c'est vrai que des fois, peut-être d'être tout le temps un peu comme. Ou dit jogging, peut-être ça m'aide pas, moi non plus, à trouver une genre de zone de. Exact. Comme, hey, ben oui, parce que je pas fou tant que ça. je veux dire, j'ai mis les pants tout le kit, mais je me sentais comme, waouh, une sortie. <laughs> fait ouais. que c'est pas mauvais en soi. J'ai pas senti la pression. Ça de... sent l'épisode jeans. Oh! <laughs> l'épisode bien habillé. Bien Juste habillé. Juste en jeans. L'épisode sur notre chic. 31. Oh. BCBG. 36. Ça peut être sport, oh. chic. sport chic. Sport chic. Sport chic, c'est chic, c'est très humoriste aux Olivier. C'est vrai. Tu te souviens de la zone où ce que genre les humoristes aux Olivier, c'était t-shirt, veston? Ouais. Tu sais, comme c'était chic, là. J ouais. tout... Ça, c'est vraiment une époque que j'ai trouvé difficile au niveau du look, là. Moi, j'ai trouvé ça. Ben, moi, j'étais pas aux Oliviers à ce moment-là, mais euh, aux Gémeaux, là, c'est genre euh, complet pingouin, là. C'est comme. Euh, ça oh, oui, ce -là, ah, là, hein? ah, ouais, à ce point-là. Chic, ah, oui. Chic-chic, là. Ouais, 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 ouais. chic-chic-chic-chic-chic. Toi, ouais. tu t'habillais tout de même aussi Non, moi, je voulais pas rembarquer là Qu'est-ce que tu faisais Tu y allais juste tuer de même Non, je mettais quand même une chemise, là, puis j'avais un veston, là. Mais moi, c'est ça. Mort. Il y a une année, par contre, j'avais un veston comme très mou, très jogging, euh, ouvert, puis j'avais mis des. des, des torse nu en dessous torse nu avec deux chaînes le il monde avait, aimait ça son max il y avait une je me rappelle pas c'est quoi son nom là mais euh, il est venu au parce qu'il y a le pré gala comme puis t'as le gala télévisé t'as le pré gala qui est comme pas télévisé puis lui il était venu en track suit <laughs> euh, genre comme ça là euh, au pré gala Chris tu vois disons on est allé une fois au pré gala mais c'était comme on tend pas les thons, ça. ouais tout le monde juste plat ah c'est c'est full plate pis c'est sûr, mais on dirait que j'aime pas ça les gars-là, fait qu'idéalement oh, j'y vais ben pas, ouais. là. J'ai jamais vraiment aimé ça, mais il y a des fois que je pouvais avoir du fun. Là, je vois ça, puis genre, ça me. Oh. Je, 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 je suis comme outré en ce moment de voir ah, des gars-là. J'étais tellement content de pas être aux Olivier. Je pensais qu'elle allait dire aux Oscars. <laughs> ouais, J'étais tellement J'aurais dû être mal à l'aise. Denis Villeneuve yes. me l'a demandé. Il me l'a demandé. Il dit Je veux absolument <laughs> me recevoir mon vrai avec le gars qui fait croque des cocon J'ai le <laughs> goût, crée, <laughs> s'il veut. Puis là, euh, là j'ai fait Non, gars, sais-tu, j'ai pas. Non, moi, non, je m'attendais pas ça. Ça aussi aux Olivier d'entendre le salaire de tout le monde. Ouais On dirait que genre ça m'a déprimé ça aussi. La ouais. semaine passée, j'étais comme Tabarnak !» genre, tu réalises que comme 1% du salaire de tes collègues ça pourrait régler la plupart de tes problèmes ouais. financiers, ouais. pis t'es comme Fuck, c'est vraiment un drôle de monde. Tu sais, je sais qu'ils l'ont pas volé, là, dans le sens ouais. Ils l'ont pas pris à personne, ils ont juste pris plein de contrats <laughs> puis ils ont fait de l'argent, mais je me dis c'est quand même fucké dans ce monde là où tu sais que les gens de la misère à leur épicerie, comment tu vis que le fait que toi, pour une raison X ta job vaut 150 000 pièces dollars ouais genre juste demain ben, mais tu la même job que plein d'autres C'est un peu comme un joueur de hockey qui fait des millions de dollars tu fais comme hey, il fait juste jouer au hockey ouais mais sais toute la business en arrière fait beaucoup d'argent fait qu'il a le droit d'en avoir une petite partie là. je pense que c'est ça je comprends mais reste que moi ça me ferait filer bizarre je pense de juste parce que tu oui. te rends compte que c'est random <laughs> tu sais c'est pas littéralement ni le meilleur ou les meilleurs ni les plus importants de la société Mais le, qui le monde qui plus le plus fort même si c'était cette hiérarchie là Mm -hmm. Mettons ou comme les gens les plus importants, mettons les infirmières seraient payées plus. Je trouve pas que c'est nécessairement une hiérarchie à faire parce que tout le monde est important. Mm -hmm. Mais sauf que en ce moment, c'est un peu comme ça que ça t'est vendu, tu sais moi je suis meilleur ou je suis plus important, tu sais il hey y a plein de monde qui font full de cash qui sont ni meilleurs ni importants. C'est une un fausse méritocratie. Peu, ouais. c est c est méritocratie un peu une méritocratie basée sur le hasard, tu ouais, ouais. Je veux dire ça marche ou ça marche pas, ben, mais pourquoi il y en a pour qui c'est complet succès puis d'autres du tout C'est la loi du marché mélangée avec du copinage puis euh, du puis pour vrai aussi, des fois juste de la chance. Je pense je pense qu'il n'y a pas beaucoup Aussi. de gens qui réussissent, qui voient ça de même. Il hey, y a des gens qui ont une vie de marde de pas de chance. Là. Exact. Pour de vrai, des affaires, tu fais, ben voyons, ça t'est encore arrivé, ouais. Pour de vrai, c'est comme des ouais. hasards. Ouais. Puis il y en a d'autres qui ont, sont chanceux en tabarnak. Oui, oui. De tu t'es ouais. à bonne place au, au bon moment. Puis je veux dire, je remets même pas en doute le fait que, mettons... Les gens qui réussissent travaillent. je remets juste en doute le fait que Chris, on travaille tous, nous aussi, tout le monde travaille. Tu le connais-tu beaucoup du monde qui passent leur journée à rien faire Tout Des le monde artistes. roche à l'os, tu sais, mais c'est comme <laughs> C'est vrai les voix. Non mais pour vrai, je trouve ça juste, c'est comme c'est vraiment injuste ça, puis je trouve que honnêtement, je comprends, tu sais, c'est tout de bon enfant, puis on rigole, c'est juste pour rigoler, mais on dirait que ça m'a décrissé de voir que c'est ça, c'est ça la réalité du monde dans le fond, fait qu'ils peuvent bien pas être fâchés de rien puis trouver que tu es correct, mais je me ben dis oui. Il doit filer cheap quand il nous croise à l'épicerie et qu'il voit que je suis en train de faire le choix entre du beurre et du yogourt. Non. Ben, je pense qu'ils vont filer les cheap le prochain jour qu'ils vont croiser. Ben <laughs> est non. Qu <laughs> ils commandent good food. Putain, mais c'est ça. C'est ça. ça. Juste, il a, euh... Ils vont pas à l'épicerie, eux autres, là. Puis comme je te dis, je sais que c'est pas de leur faute, c'est pas eux autres qui l'ont mis en place ce système-là, mais reste que tous t'en bénéficies à l'os, là. T'es comme. Ouais. Waouh waouh waouh. Moi je dirais à ces gens-là. Honnêtement, arrêtez de nous écœurer avec vos estifs fondations pour vous faire du capital de sympathie. Là. Si tu fais 400 000 par année, là, mets 5 000 dans une enveloppe et va le crisser dans la boîte aux lettres d'un de tes voisins. Mais pas ton nom, rien. C'est pas pour un bravo. C'est juste que tu as bien trop de cash pis y a du monde en train de mourir. Fait que aide quelqu'un. Pas <laughs> né quelqu'un. Vous êtes capable. <laughs> OK? C'est ça, puis pas une petite vidéo Youtube pour dire que as donné 5 000 non, okay? non, 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 la ça. <laughs> toi, tu fais juste dropper 5 000 d'un bac de recyclage. Non, il y a-tu a... décolles. Il y a zéro bénéfice net pour ça. toi. C'est ça, On se passe ça en impôts, le tabarnak. Là, tu ne me fais pas une facture. Là. <laughs> non, 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 je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de 5 000 cash. No questions asked. C'est une idée, c'est une idée, je danse demain. Je ne <laughs> sais <'est> pas, là. <laughs> Aïe, aïe, aïe. Sinon, si vous voulez venir au podcast, c'est seulement rendu 20 000 Donc, Pour être invité. Oui, c'est ça. Il y en a-tu un qui peut gagner? Ça nous donnerait 5 000 chaque. Mais on serait prête si... OK, on peut vous faire un prix d'ami à 5 000. Mais c'est juste si on vous connaît. Ouais. Puis même là, à vérifier. <laughs> Euh, Mais tu toi, comment va, as toi, as, tu vas, mettons. T'as de l'air pas toi. Tu t'es sorti, on dirait, un petit peu de ton marasme de la semaine passée. Oh là. non, moi, je pense que ça a jamais aussi mal <laughs> est été juste est pire, de, là, de toute ouais. ma vie. Ouais. Oh boy! Ouais. Ça a jamais si mal été de toute ta vie? Ouais. Enchanté. <rire> Bonjour. <rire> Bienvenue à Tough Life Anonymous. <laughs> Tough Life Anonymous. <laughs> ouais, moi, Not so que... anonymous, un amour. J'ai dit à Julien hier, je pense que ça me tente plus de faire rire les gens. C'est difficile, l'enfant. Je pense que c'est ça. Je pense que là, j'ai besoin... Il a-tu de... ri quand t'as dit ça? <laughs> ben, il a dit... Ben, il fallait pas rire. <rire> Puis oui. là, ça l'a fait rire. Un grand philosophe, je... quand même, ça, Julien. Ouais, non, ben... Mais, euh, non, mais ouais. c'est normal. Honnêtement, notre job, c'est pas facile à faire quand on se sent pas bien. T'sais, parce que c'est intimement lié là je veux dire, moi pour que je projette du plaisir puis que j'aille du fun puis que je sois drôle il faut aussi que je sois minimalement bien. Uh -huh. Tu oui des fois je l'utilise justement pour me sortir d'un état mais c'est dur de pédales à l'envers là tu arrives tu aujourd'hui je suis une mauvaise moi j'ai pas le goût de faire ça là. Uh -huh. genre puis tough, je trouve toi, ouais. un peu de plaisir mais comme c'est tough. tu il faut que je me garde quand même dans une bonne disposition pour être plus le fun que juste fâché puis là quand ça sent pas bien <laughs> quand ça pas bien, bien c'est normal mais je en c'est normal au bout là mais ça ouais. revient aussi tu sais je veux dire c'est pas parti de toi ça c'est peut-être juste effectivement là t'as pas une très bonne passe ben tu sais des fois euh, c'est correct de prendre un congé de ça là je pense oui que ça là. mais justement mais c'est dur des fois peut-être avec le podcast aussi parce que c'est comme tu sais il faut il faut toujours quand même être dans le puis je sais que les gens nous imposent pas moi, nécessairement je me mets toujours même dans le fun mais moi ressens... d'être drôle Hein? Tu t'en si mets pas. pas? Non. Moi, des fois, je m'en mets, honnêtement. Moi, des, des fois, fois oui. Ben, tu vois, fois, mais tu vois, l'enfant, on se les posé la question. Là, on... Ça faisait une heure et demie qu'ils risque qu'on déblatérait fâché, pour on était comme, ben, coudon Mais finalement, je pense que c'est drôle quand même. Moi, je... moi honnêtement, genre, <laughs> je me mets pas de pression d'être funny Je fais juste être qui je suis. Puis si les gens aiment pas ça, ben, qu'ils décollent. C'est <laughs> sûr, mais en ouais. même temps. Ben, pour vrai, honnêtement, ben, ils moi, ont déjà décollé ben... ça va ben longtemps. Ouais. <laughs> Non non c'est sûr mais tu d'un autre côté c'est mon travail puis je veux c'est littéralement avec ça que je paye mon loyer je ressens quand même une pression de réussir puis de faire ouais. ce que j'ai besoin de faire pour survivre tu ne te réalises que pour ça je te parle même pas de succès je te parle de genre je peux pas perdre des abonnés en ce moment sinon je vais vivre comment oui exactement fait, mais tu sais fait où ça impose ça je trouve un stress ouais. une pression des fois puis je m'en mets un peu mais c'est pas c'est juste pas que je dors pas la nuit mais là, est, on juste on est que... trois hein pas là moi mais ouais, ouais, où j'anime <laughs> <laughs> euh, c'est toi qui m'as dit ça, c'est vrai. Mais non. Oui, tu m'as dit, oui, dit ça deux fois même. Deux pense. plus, plus. Que oh, oui. Oui. Ça oui. m'est resté. Moi. Oui, mais c'est parce que tu prends le rôle de l'animateur. Mais moi, si on animait ici, si moi c'est moi qui animais. As quand quand je fais les D&D, c'est moi qui anime, là. C'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Bon, fait, quand des fois, hey, les épisodes que j'ai fait sur scène où j'étais complètement à Coco Bongo. T'animes, c'est moi qui anime. Manière, non, non. Mais... T'animes pas, là, tu pars dans tous les sens, <laughs> toi, toi, nous, tient, est tout. Toi, tu me restreins, c'est ça. Tient, là. Mais c'est quoi quand... On t'empêche de te laisser ses spots pendant que tu vas l'autre Animer, Animé, animé c'est juste comme être au courant du pacing du show, puis s'assurer que tout marche. Mais ça, il n'y a pas l'obligation d'être drôle dans animé, non euh, non, effectivement, mais en même temps... Tu sais, Patrice Lécuyer, là, il anime, mais c'est pas lui qui fait le show. là. Excuse-moi, il te reste plus grand-place, tu peux aller dans le showbiz. Je pense <laughs> que tu devrais faire attention à ce qui se passe. Ça, c'est vrai. Il y a Non, <rire> <rire> il est bon là je l'aime là mais genre. non mais c'est qu'en plus moi honnêtement c'est parce qu'il me paraît là dedans <laughs> c'est que je comprends qu'est-ce que tu veux dire ouais, il tu met de la pression pour ben, être drôle puis t'es drôle juste t'es juste drôle en étant qui tu es arrête de te mais, mettre de la pression là. Au moment mais le moi l'affaire c'est qu'honnêtement, je trouve ça plus de pression des fois animé puis comment qu est-ce que tu veux dire là? Parce que des, des fois on dirait que c'est moi qui est assis au milieu tu sais sur scène aussi je me ramasse hum. toujours comme avec l'invité qui regarde plus de notre bord parce qu'on est deux de notre bord. Pis, fait que je sais pas comment dire. Fait que je le prends un peu en blague, mais c'est un peu vrai aussi, Puis honnêtement, c'est pas le côté que je veux le plus de ça. Moi, ça me stresse d'animer puis de l'idée. J'ai pas tant envie de ça. Je de le faire des fois, mais c'est pas comme un rôle que je veux, mettons, puis que je veux tant mettre de l'avant parce que ça me fait sentir plus de pression comme si c'était toute de ma faute si un épisode n'est pas bon, mettons. Eh non, jamais de la vie. Non, je sais, personne ne pense de même, mais. C'est pis... de la faute aux invités. Non mais, juste... <laughs> non mais des fois toi Mathieu tu disais comme Ah oh, je le pas aujourd'hui, tu moi j'ai déjà dit ça aussi, oh, toi oui, t'as oui. déjà dit ça. On a tous déjà pris le lead. Tu sais, moi la journée où... Les journées où ce que je suis viré complètement Coco Crazy sur, le... sur la scène, je m'en souviens, vous aviez dit les deux, Hey, on file le col, pas, ça nous tente pas de faire le show. Puis j'ai fait comme moi non plus, ça me tentait pas, puis j'ai fait bon ben c'est à mon tour. On va faire quelque chose. On va faire de quoi? <laughs> faire... <D> <laughs> fait c'est ça, tu sais. Puis je pense à donner des bons épisodes, c'est fucking crampant, là. Fait que tu sais, c'est ça, je pense que des fois aussi tu peux dire Hey, comme là tu vois, ça file pas. Non, pas grave. Hey, pas un, pas mais... un bout de chou. Non, c'est pas grave. Un bout Un petit bout de chou! Mais je pense pas que le chou va m'aider. Hey. dernière affaire j'ai besoin, c'est d'une vieille salade raide dans ma bouche. C'est bon. À oh, oh, texture rubber. C'est un peu sucré. Ouais, honnêtement, ouais, il est tout le temps de même. Tu sais genre, il mange plein de McDo. Plus j'essaie de le convaincre de juste fais-toi à manger. Puis tu sais, je me dis, fais toi des, des légumes. Tu peux même manger une crudité. Il est pas capable de juste arriver mettons avec des carottes et des concombres. Le genre les crudités comme convenu. Non, lui il arrive un chou napa divisé en mmh. quatre. Puis il mange ça. Puis il dit, c'est la meilleure affaire. Une poignée fait... de rutabaga. <laughs> ça, mais quoi, tu <laughs> mangeais pas ça avant. c'est la meilleure affaire ever, d'abord <laughs> Mais pourquoi tu manges pas juste des carottes? Tout le monde, on s'entend, c'est plus simple, ça vient déjà d'un oh format. mais c'est les normies qui mangent des carottes. <laughs> oh yes, euh, il voyons. veut se distinguer. <laughs> voilà. Il veut se distinguer. Non, mais c'est juste que moi, je trouve ça. Ça mais bon artichaut cru. Oui. À ah moi, tu à l'arrêt d'autobus. Oh, tu être les feuilles. Là. Ce que j'aime, moi, c'est découvrir le monde puis ouais. essayer des affaires. Ouais. Juste pour voir le monde. <laughs> mais pour vrai, c'est ça que j'aime le plus. C'est sûr que je vais faire des affaires. Mais comme tu me fais quand même rire avec ça, c'est ça. C'est que tu skips par-dessus, mettons, manger des pommes pour aller faire quelque chose de complètement plus. Mais c'est toi, effectivement, c'est très c'est 100% de JF. C'est 100% de au chou. Je m'attends à rien d'autre. Honnêtement, t'arriverais avec des concombres ici puis je serais comme, qu'est-ce qui se passe? <laughs> hein? je suis le pull, <laughs> tu ne pas, là. Tu t'es fait influencer. <laughs> tu t'es fait influencer. C'est bizarre, aussi tu sais que c'est possible. ouais ouais, ouais, ouais je comprends. Mais ben, Tu vois, tantôt, j'ai mangé une sandwich aux tomates. Ma chaîne aime ça, ça les tomates. C'est bien, hein? Mais avec de l'humus. Parce que si pas à bonne époque l'année, par exemple, manger des sandwichs aux tomates. Mais... Ouais, il était bon en estime. et tomates, c'est des tomates Lufa. Ça pousse une serre. Ouais, ouais. le c'est sûr mais c'est pas c'est pas les tomates de l'été Ce ne c'est jamais les tomates. Il était il était, Honnêtement était sûrement très, très bonne. On ouais. coûté 4 quatre Je J'ai jamais goûté. Oui, c'est sûr. Euh, ouais, ouais, était cher. Ouais. Moi je peux pas, j'ai pas accès à ces tomates là. Ouais. Ça dépend, ça prend juste des grandes poches. <laughs> Mais c'est pas l'idéal, les légumes, tu sais, ça s'écrase. Non, ça poque avec fait des que... clés, pis là, c'est vraiment... Ah, bon <laughs> 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 Aussi pour des fromages à pâte ferme, euh, des... Euh... Mais là, juste ça, venez, c'est un affaire, là. Toi, là, tu t'es jamais senti aussi mal que ça de toute ta vie, que oui. ça m'inquiète quand même, là, faut que, faut que, faut que je revienne Non, parce que là. des fois, t'avais l'air de pas aller bien, fait que là, ouais. si tu pas ça, puis là. là, ouais. t'as pas l'air si pire, honnêtement, puis c'est peut-être effectivement parce qu'on est pas top, nous autres non plus aujourd'hui, fait que c'est comme relatif mais mais comme à quel point, comment tu te sens pas bien? Est-ce Tu remets beaucoup de choses en question? Tu, ouais, ouais, ouais. C'est ça qui te fait filer pas bien? Je remets toute ma vie en question. Puis, okay. euh, mais je pense que c'est ça, ça s'appelle la crise de la quarantaine. C'est ça que tu vis? Hey, c'est ça qu'on vit les trois. Là. Ça se pourrait. là. Mais toi, t'as oui, quel quoi? âge? Hein? Ben, 37, mais je veux dire. Est la cri... Il est, il est il y a ben oui, Mais oui, si c'est ça... la crise de la quarantaine, c'est pas obligé d'arriver à non, 40. Je comprends, plus... mais. Oh ouais, ouais. <laughs> Donc, c'est la crise de crise. Ça commence à faire un bout qu'on est de site, Fait que c'est ça la réalité, là. Ah, qu en réalité. Parce qu'en anglais, ils disent midlife crisis. Ouais, oh, OK. C'est okay, Bon, bon midlife. Fait que moi, tu vois, 37 x 2, 74. 60... Moi, j'espère vraiment que c'est pas ma midlife crisis parce que je reste pas jusqu'ici jusqu'à 80. Là. That's not true. Là. <rire> <rire> I'm tanné. Je suis capable de jouer de la guitare je suis tanné. Ouais. <laughs> ah, non, non. Des fois, c'est ça, je vais Moi, je vais pas me suicider, mais je dirais pas non à mourir. Ouais. Comme honnêtement, pas me réveiller un matin. Là, ça ben serait tu le serais pas, pas obligé. C'est <laughs> ça. Mais, mais je serais, je, ça me dérangerait pas des fois. Là, je trouve ça bien difficile. Là. Ouais. Puis je sais pas, peut-être un peu que c'est la crise de. Mais je pense aussi que c'est la crise de. C'est ça, là. là c'est juste la crise. C'est la, la crise. C'est Pour vrai, c'est ça qu'on parlait l'autre fois. Là, mais tu sais, comme le monde est tough, tout est tough. Puis là, ça a été tough aussi là, pour les artistes comme pour tout le monde. Mais je veux dire, deux ans à la maison, essayer de travailler comme. C'est pas fini, là? Non, c'est ça, avec pas de retour. Puis là, ça semble un peu fini, mais ça ne comme pas en même temps. Mais ben non, c'est y a y a rien de nouvelles. C'est comme s'il me passait par le ça à la tête parce que c'est tout le temps la même affaire, mais c'est tout le temps là pareil. Tu sais, comme là, on apprend, comme il y a des balles qui ferment à cause de stack. et c'est tout, tout qu'on arrive. Qu comme... OK, t'sais. fait que même ce qu'on boucle là, c'est pas clair. Là. Encore et toujours rien. De... l'impression que tout peut changer une semaine aussi. On est encore sur un fil, un mince fil. Puis là, okay. ça commence à faire un bout et ça, et ça use. Et là, il faut qu'on se conserve puis qu'on essaye de faire le mieux avec ce qu'on a. Ben ça, c'est ça. De toute façon, on ne peut pas rien faire d'autre. Quand mais... la vie te donne des citrons, achète des petits pots de sirop d'érable puis mange des cuillères de sucre. Laisse faire les citrons. C'est pas grave. C'est chercher les citrons dans l'histoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de citron. Laisse les citrons dans ton affaire là-bas. Ça se garde en bas. Si la vie te donne les citrons, laisse-les là. Ouais, ouais. Laisse-les là. Laisse-les là. Mais écoute, moi j'adore le citron, honnêtement. C'est un des trucs que j'ai toujours dans le frigo. Moi j'aime pas ça. T'aimes pas le citron Non, j'aime pas le citron. Encore une fois, on a dit que c'était exprès. Moi, blonde, elle adore le citron. On en met dans tout. Tu on en met dans les salades, on en met partout. Puis là, moi, je sais comme, oh, j'aime pas ça le citron. Mais je comme, on pas t'empêcher de mettre du citron. Je ouais, reviens pas que t'aimes pas le citron. C'est comme, c'est impossible. J'ai jamais entendu ça. J'aime pas le citron. La Mais... lime? Ouais. <laughs> ouais. ouais. Ça, hot, ouais. ouais. On n'a pas senti l'amour, là. Ouais. ouais. J'ai juste pas la haine. Mais tu mettons, moi, dans la soupe tonkinoise, la lime, des fois, j'aime pas. Ouh! Ouais. Moi, des fois, même dans les tacos, je mets pas la lime. Mais voyons donc! Ouais. Mais tu manques toute une partie de la vie super importante. Tu la mets-tu dans ta corona? Ah. ah oui, ça par exemple, oui. Ça, je la mets dans ma corona, oui. La lime. Oui. Ça, c'est oui. Ça, c'est oui. Oui, oui, oui. Mais tu sais, comme euh, citron, euh, ouais. Ben, c'est pas que j'ai ça. C'est pas comme genre, euh, moi, je mange pas ça. Tu sais, je mange pas mal tout. OK? Mais je préfère. Tu vois, je salive beaucoup trop. Je sais pas, je. Parce je... ben, souvent, en plus, le citron. C'est comme en vraiment petite dose dans toutes les recettes. C'est pas genre ça goûte tant le citron. C'est juste que ça fait quelque chose au goût. Ça le rend un peu plus vibrant. Genre ça ajoute comme une note. Mais je veux dire, je mets du citron en plein d'affaires que, que tu le saurais même pas. Moi ouais, c'est comme un genre de sel. Tu je mets du citron comme... dans ma compote. Mais genre je... puis c'est pas non plus comme oh mon dieu ça mais goûte. Tu sais la... y a du monde qui goûte pas la coriandre comme faux, qui goûte que ça goûte le savon. Moi je pense que je suis de ceux qui goûtent pas le citron comme faux puis qui, aper... qui s'en aperçoit pas que ça. Puis ça, ça goûte les pneus. Genre. Mais <laughs> ben, t'aimes les choux. Alors... J'adore les choux. Mais ça tu sais, c'est une autre dire? affaire. Comment qu'on peut même savoir qu'on goûte tout le citron pareil C'est on peut pas savoir. On le sait même pas. On sait rien. On, on sait con... pas grand chose. Non, on sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Ouais. Puis euh, ouais. Effectivement. Fait quiconque te dit le contraire de ça, ment. <laughs> ben ouais. Ouais, ouais. Si quelqu'un dit je connais tout. Il ment. C'est pas, pas possible. Ben c'est ça. C'est pas possible de tout connaître. Ben, salut, Ben guinantelle, hein. il y a l'air d'en savoir pas mal. C'est vrai, il y a l'air d'en savoir pas mal. <laughs> il est pas mal offert de tout. Ouais. C'est toi qui es fâché, là. <es <Gothic> moi, j'ai commencé à unfollower beaucoup, beaucoup de. Moi, j'ai unfollowé beaucoup de monde sur mes réseaux sociaux. J'ai caché des sujets complets. Je veux plus rien savoir des humoristes. Euh... Ouais, ben moi, ça fait un bout que j'ai fait ça. ça, ça c'est vrai que ça fait. En fait, c'est que tout le monde Bye. devrait faire ça avec ses réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, tu te rends un point. Tu sais, je pense qu'on a tous vécu la même curve. Genre, mener ça ça apparti une couple d'années. Ça a monté de même, puis là, mener, tu te ramasses, c'est comme 800 amis dont 500 que tu connais pas, Puis tu vois plein d'affaires que là c'est comme si c'était ça ton fil de nouvelles, mais c'est toi qui décides là. Tu peux juste te désabonner, tu peux enlever tout. Moi honnêtement, je vois plus grand monde. À star, je regarde Idiots and Cars sur Reddit. <laughs> ouais, ça, ça me divertit <laughs> bien plus. Ouais, moi je suis plus ouais. sur Reddit. Je vais checker ah, mes nouvelles là. Ça c'était terrible. Les jokes de Will Smith, là, arrêtez là! Ah oh ouais, ben ça, ah. non, mais ça, c'est parce que c'est ça. Ça, c'est ça aussi les réseaux sociaux, ah. tu sais, ça fait qu'il y a une affaire qui se passe, puis tout le monde mais... fait une joke sur la même affaire, puis je comprends, mais ça fait de quoi de gossant? Le hein? problème, je trouve, c'est que c'est comme tout sur le même niveau, tu sais, autant la joke poche de n'importe qui que... La, la joke super bonne, parce qu'il y en a des bonnes jokes là, qui ont été oui, oui. faites avec ça. Je, ouais, oui, oui, là. Oui, oui, Mais c'est juste que tout est sur le même pied d'égalité, puis on dirait qu'on est nourri de la même. comme tout, tu qui vaut un Mais peu. ce concours de jokes-là quotidien, est-ce ouais. que ça sert vraiment. Les humoristes du dimanche. Le drôle, what t'sais? the fuck, la gang, tu Non, mais puis après ça, je dis pas au monde, n'essayez pas d'être drôle, mais c'est vrai que ça fait comme ouais. ce sport-là où tous les jours, tout le monde se lève, regarde des nouvelles, c'est quoi la une, c'est quoi la grosse affaire, je vais faire une joke là-dessus, peu C'est ce la course. À l'humoriste. Ouais, puis ça, je pense pas que ça sert bien, ni ben l'humour, en fait, ni les réseaux sociaux, ni rien. Il y a juste une fois de temps en temps, tu vas tomber sur comme une logique qui se pouvait comme bonne, mais genre un événement que tu punches ben, dessus de même, t'as pas deux secondes réfléchi c'est que le problème des réseaux sociaux, en fait, c'est que, tu sais, cette affaire-là, le Facebook, ça aurait été supposé d'être juste pour nos amis proches, tu sais, là, genre les gens non, avec qui payant, on veut rester hein, en contact. Oui, c'est ça, mais avec qui on veut rester en contact, tu sais. Bonjour, ah, moi j'ai ma nouvelle maison, ou ah, moi j'ai une nouvelle enfant, ou ah, je m'en vais en cabane à sucre, waouh! Bertrand, il fait ça cette semaine! Mais là, c'est, on dirait que tout le monde s'adresse à la terre. Ouais. Mais temps. tout le monde a son poste de télé. C'est ça. Que... Écoutez-moi, écoutez-moi, je vais faire mon émission. Là, je vais dire quelque choses et là tout le monde va écouter, tout le monde va liker tout le monde va partager. Puis là, c'est comme mais ouais. ça, je peux plus de ça. Bonjour, vois? je vous partage les nouvelles nouvelles de l'Ukraine. Ben pourquoi toi Mais en ouais. même temps, ça, tu vois, pense? là nous-mêmes on fait une émission de télé ah, ouais. qui est diffusée puis tu puis genre c'est ça, c'est c'est comme, comme pas critiquable un peu mais parce qu'on est dans cette position là, mais c'est ça pareil. Non, c'est je... bon de critiquer les choses qu'on est dedans faut pas juste tout le temps. Parce que nous, ça, nous autres aussi, on est pris dans. Moi, je suis pris dans cet engrenage-là. Ouais. Autant que j'aille ça aussi. Moi aussi, je fais de la promo sur les réseaux sociaux. J'ai comme ouais. pas d'autre espace. C'est devenu ça. Ouais. Puis là, que je suis posé faire ça comment, puis où de bord, puis vivre ouais. comment si je fais pas cela. Mais des fois, je. Moi aussi, je trouve que ça comme pas de bon. Là, tout le monde est ça. Tout le monde est multimédia. Bon tout le monde se vend. Puis tout le monde a besoin de se vendre. Mais c'est ça. C'est vraiment une société terrible. C'est comme on injuste, dirait c'est comme tu te lèves le matin, tu mets ton petit chapeau. Bon, ben, je vais aller faire ma promotion de moi-même. Ouais. Bonjour, bonjour, voici mon propos intelligent et ma hey, joke Bonjour, bonjour, je fais ça. telle affaire, venez me voir. Bonjour, bonjour. Tu sais, comme tout le monde sait ça. là. Puis c'est comme. mais Pourquoi qu en... qu'on qu fait ça Avant, c'était pas de même. On Avant, c'était d'autres choses. C'était juste, juste un plus autre plus pire plus avant. Je peux pas dire que ça. T'es le moche Weird Home Park, C'est vraiment <laughs> ça que t'es, là. Là, regardez, il vient de sortir un chou. un chou de son Tupperware, Chris qui croque direct. Ben oui, t'as manné ben qui a bien chou aussi. Damandard qui se bat une mouette. <laughs> Calice. <laughs> La mouette gagne. Ben oui, ouais. il est parti avec son chou. Calice, pauvre gars. <laughs> c'est tout ce qu'il y avait. On dirait que c'est toi qui achètes le jus de chou à l'épicerie, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça, Ah, les cures de chou, là? a du jus de chou là qui vendent comme en. Wesh. Ça, ça doit être quelque chose ça doit être bon pour le transit. J'ai déjà vu quelqu'un qui faisait une cure de choux avant son mariage pour être sûr de rentrer dans sa robe, j'étais comme mais pourquoi tu fais ça Just destroying your anus <laughs> before marriage. <laughs> comme mais en même temps tu vois c'est ça, genre j'ai déjà pensé faire une cure de choux moi aussi pour maigrir parce que Mais non dit... mais ça c'est ça c'est la pression oh, ben des diètes, ça de... c'est pas bon, ça c'est sûr. Puis, tu sais, ouais. pas manger aussi. Il y a tellement de monde. Je veux dire, sans avoir nécessairement des problèmes là, euh, alimentaires, là, dans le sens où il y a des gens qui ont vraiment des problématiques là, plus sérieuses. Mais je veux dire, je pense que ça nous joue tout dessus un peu, ces affaires-là. où ce que des fois, tu fais Ah, ben, c'est pas pire, ces temps-ci, je mange juste un repas par jour. Pis, là, es comme, mais c'est pas bon, ça. Ben, non. Comme, c'est quoi l'idée de penser que c'est bon de juste manger un repas par jour, peu importe, c'est quoi le repas, là Alors, Moi, c'est ça, que j'ai fait là, pendant les. les... C'est ça, puis c'était pas, pas bon de faire ça. Mais, mais un repas comme mais, pas euh, si deux tu repas, repas j'ai dit, je me suis jamais aussi, autant mal senti ouais. de toute ma vie. Ah, un lien là, ben Je vais pas, pas. pas te stouler, là, mais la semaine passée, je l'appelle, puis je lui demande comment ça va, puis tout ça. Pis man... Je demande souvent à Jean-François qu'est-ce que tu mangé aujourd'hui, qu'on parle de ça. Je trouve ça important même, parce qu'on dirait que c'est important qu'est-ce qu'on mange quand même. Ça fait ah, partie oui. de. Fait que tu sais, je pour ça. Puis ouais, là. là, il me dit Ah, oh, j'ai une mauvaise journée, j'ai mangé deux fois du Saint-Hubert. Ah oh, ouais. Là, j'étais comme Ah, à ta minute. Là. Dans la même journée. « Tu as commandé deux fois du Saint-Hubert. Non, non, non. J'ai commandé une fois du Saint-Hubert. Deux mais, fois. Mais deux fois. Il a commandé deux un repas. Donc là, sûr. il en a laissé un sécher, genre, pendant trois heures. Puis j'imagine que oui. tu l'as remis au micro-ondes ou je sais pas quoi. Oui. Tu ou quelque chose hein. oui. Puis là, là, t'as remangé ça. Hey man, genre... Tu dois avoir une roche présentement dans le tennis Juste à hey, cause de cette journée-là. J'ai mangé souvent deux fois du Saint-Hubert dans la même journée pendant des semaines, moi, quand je travaillais au complexe de jardin. Je n'hésitais pas. <laughs> tu sais, pas glorieux comme dans l'estomac. Tu sais, genre, ça <laughs> oui. va d'aller. Puis juste envie de manger ça. C'était comme Je ah, me sentais pas bien cette journée-là. J'étais comme « Ah, j'ai besoin de manger du Saint-Hubert pour me remettre sur le piton. » Genre, c'est tout a puis là je regardais, c'est donc bien cher de la cité Saint Hubert du Calis. ah ouais hein. Ah ouais, hey, ça c'est l'affaire la plus je... overrated pas possible. Honnêtement ça. là, ok regarde, ma fa... je suis allé dans ma famille pour, pour euh, un événement. Puis là euh, oh. il y avait, on a commandé du poulet à toute la famille, tu sais parce que d'habitude c'est ma mère qui fallait les repas, mais là ça y tentait pas, puis c'était bien normal, là, tu sais à un moment donné tout le temps à faire la bouffe tout ça. Puis là genre pour faire pour dire, hey tu sais, t'occupes tu tout le temps de la bouffe, tu nous payes toujours la bouffe, m'a payé le poulet pour tout le monde, tu sais. Puis là, on a commandé du bénise. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi, je calculais en termes de Saint-Thubère Money. Puis là, j'étais comme, OK, 9 adultes. <laughs> Saint-Thubère Money. 20$. Chaque, euh, ouais. ouais, là, j'étais comme 350. Parce que, il y a des extras, tu à droite Ouais, 400, peut-être. OK, ouais, tu sais, c'est ça c'est cher, mais regarde. Tu sais, je veux dire, hey, au nombre de fois que je suis venu souper chez mes parents, pas grave, là, le pogné. Tu sais, c'est genre la compagnie qui paye. Ah ouais. Là, on reçoit la facture, puis je regarde, je suis comme 149$. Aïe! 10 pièces chaque de pour le time! J'étais comme what? Fait que à the quel point le mélange de, de sauce, de piquant, de trucs sur la peau là <laughs> vaut le. Ça, non non, ça avait pas rapport là. Genre je, je comprenais pas puis j'étais comme aïe aïe saint hubert nous vole. Là, ouais ben il s'est pas pas passé rapport. de quoi avec eux autres là? Ça l'a le, ça l'a la tête en effet. Mais la bouffe? Check. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie? Je veux dire là c'est rendu que un burger par Uber Eats c'est 25 Ça a plus rapport. Puis on dirait que ça ça a validé aussi que tout a monté à l'épicerie. Puis je veux dire, au final, là, ils auront a le gaz a monté. Si le, le seul, les produits de bord, ils font tous plus de profit que jamais, ces compagnies-là. Fait quelque part, l'argent s'en va là. là il s'en va pas dans les coûts. Mm -hmm. Puis c'est pas genre les chauffeurs ou, ou, Uber là, qui ben sont C'est ben pas non plus les employés genre de McDonald's. Fait que c'est juste, c'est fucké, parce que là, on dirait que ça a été normalisé, ça. Un burger puis c'est 27 mm -hmm. hein? Puis ton salaire, c'est 10 Alors toi, c'est... Trois heures. Comment? Non, mais <laughs> comment... travail travaille un burger. Puis je veux dire, ouais. honnêtement, je, je le sais qu'on n'est pas seul On n'est même pas les plus pauvres qui existent. Là, pas... Mais genre, clairement, moi, honnêtement, je, on fait partie des pauvres. Là. Ouais. Puis genre, je trouve ça dur. J'ai trouvé ça dur dans les dernières années. J'ai toujours trouvé ça dur. Mais là, cette année, l'épicerie, je capote. Je me dis là, peut-être qu'on s'en parle plus puis qu'on réalise qu'on est tous dans le même bateau à part les trois personnes sur la rue qui font 400 000. Mais... Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment dur pour tout le monde, mais il y a comme toujours une honte à ça aussi, une gêne. Si toi, tu n'y arrives pas, c'est ben sûrement de ta faute. Mm -hmm. C'est sûrement toi qui travaille pas assez fort. C'est sûrement toi qui ne fais pas les sacrifices qu'il faut. Mm -hmm. Puis t'es comme, Chris, man, la vie est tough, là. Genre, moi aussi, il y a des journées, je suis comme, si je ne fais pas aujourd'hui, je me commanderais quelque chose, puis je peux pas. Mm -hmm. Mais en fait, c'est que ça va me mettre dans un état d'angoisse. En plus, ça va me rajouter fait que même une si une je fais, je vais me payer 35$ pour une affaire qui est juste. Fait que là, après, je vois le bill, puis je suis comme. Tabarnac, ben Là, genre là j'ai comme. Pourquoi 40$ ici? Pourquoi moi, je viens de faire moi, ça? Moi, c'est la même affaire que vous, mais moi, je pèle par en avant. T'sais. Moi, c'est juste, je le mets sur la carte. Je fais comme. Je vais avec ça plus tard. Ouais, ouais. C'est ce que beaucoup de monde font. Aussi, mais ça, je ça, j pense, j fais, puis mes cartes sont pleines, là parce qu'à un moment donné, je ne suis pas capable de catcher up. C'est ça, exact. Je suis à la même place que vous autres, pas mal. C'est vraiment le fun. Mais là, en ce moment, tu es un peu à la même place que nous autres, mais avec plus de crédit, c'est ça? Exact. Puis, c'est ça. Mais je comprends, c'est ça, effectivement, c'est que ça va vite, là, euh, genre, à un moment donné, euh, tu à moins que tu fasses 4 millions par année, il n'en en reste pas tant. T'sais, je comprends que même si tu as généré plus d'argent que nous, mettons, dans les années, tu n'en as pas non plus généré pour dire que, genre, tu as 400 000 de côté, puis qu'il n'y a rien qui t'inquiète. Non, non, c'est ça, ça ça. pas, si ça, moi, fait je pas, pas dit, ça. très endetté, là. Oui, oui. <laughs> ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Mais tout le monde est super endetté aussi, c'est une autre affaire, ça. Parce que peu importe l'argent que tu fais par année, au, au Canada, c'était quoi, je pense, c'était 40 000 moyen, en moyenne. Ouais. déjà, gens, si tu comptes... Comme hypothèque, carte de crédit, c'est ça. Il y a aussi des grosses dettes là-dedans que les gens considèrent pas comme des dettes nécessairement dans le sens que tu as une maison et tu as payé par mois, mais ouais. tu une dette, le Chris, de, de 200-300 000 mettons. Mais tu sais, ça, là, avec le crédit, puis tout, 30-40 000 c'est quand même immense. Ouais. Tu sais, rappelle-toi aussi que la moitié du Canada fait moins que 50 000 par année. Là. Ouais. par année ouais. ah, et même comme il n'y a pas plus que la moitié aussi des, des, des gens des ménages qui vivent à la paix, là. Comme, Ouais ou je pas dire, loin qui ouais, ouais, de... sont comme à deux paix mais tu sais moi honnêtement ah, c'est ça c'est 100% ça là. genre moi il y a un mot qui ne rentre pas je, sais, je pense que je me retrouve à la rue là. honnêtement je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. Mm -hmm. fait que c'est ça là fait que, tu sais, pis je suis habitué de vivre avec ça dans un sens, dans le sens que j'ai jamais eu beaucoup de sécurité à ce niveau-là. Fait qu'à un moment donné, tu pognes une, une swing, je vois bien là, que je survis quand même. Il ouais, y a des moments de lucidité de ça qui down, là. Ben le printemps, quand ça les impôts, c'est toujours un moment très poche et difficile et inquiétant C'est Je peux pas croire même que socialement, on fait ça aux gens. Il mm -hmm. y a une complexité dans ça. Tu fais ben, tu sais combien de, je sais pas. Je sais pas, peut-être ouais. que je sais pas. Fait pourquoi il y a un stress de tout ça? Qu'est-ce que mm -hmm. vous faites? C'est bien stupide, c'est tellement mal fait. Puis pourquoi c'est les gens qui font le moins d'argent que ça stresse le plus? Il y a de quoi qui marche pas là, dans ce système-là? Là. Je veux dire, quelque part. C'est que drôle, c'est comme on dirait, c est, c est, toi, tu fais 500 000 par année, mais apparemment tes impôts, toi, ça t'inquiète jamais. Là. Même si c'est une grosse, grosse chunk, même si tu me dis que tu payes plus en pourcentage. Toi, quand tu as payé ton pourcentage, il te reste quand même plus que la moitié de ça. Puis ça, c'est immense. Je veux dire, arrêtez d'écœurer le monde. Moi, là, je veux pas faire d'argent dans la vie, mais je peux juste avoir ouais, la paix, je peux juste manger, habiter quelque part faire ma petite affaire. Je demande pas grand-chose. Mm -hmm. Genre, je demande pas là, euh, du grand luxe pis tout ça. Juste arrêter de pas être capable de dormir la nuit parce qu'on me met la botte sur la gorge sans cesse. Mm -hmm. Ça serait vraiment là. Mouah. C'est tout ce que je demande pour nous. Ben, je demanderais en plus de tout ça d'arrêter de, d'encenser les gens qui ont beaucoup d'argent. Moi, ouais, je t'anime aussi. Mm -hmm, Avez-vous le club, le, le couple d'influenceurs, influenceurs, influenceurs les gens qui, qui flippent des, des buildings? Non. Puis là, ils viennent de se faire pogner parce que à cause de leurs réseaux sociaux, wow. ils, ont, ils ont dit Ils ont fait à croire que leur père s'en habiter là. Sauf que vrai. ces réseaux, ils n'arrêtaient pas de parler, qu'ils flippaient haute pour faire de l'argent. Aïe aïe! Mais c'est pas grave, ils ont 14 000 à payer. C'est tout. Ah, ben, de pénalité? Ben oui. Fait que euh, non, en, fond... fait, en fait, ils sont juste mal tombés parce que la, euh, la personne qui habitait là, dans le 2,5, c'était une journaliste. Ah, okay. Fait qu'elle, a continué, elle sûr, les a poursuivis. Tu es serais -tu capable de flipper, toi? Serais-tu capable de flipper? Non, mais eux autres, ont apparemment Regarde, pas l'air d'être capables. On a capable un mois de Patreon, on fait un down payment sur une maison, on flippe ça, ok? Super beau, là. Genre. Des belles étagères, des beaux bocaux, Tu sais, quelque chose là, que quelqu'un a le goût d'acheter. Puis là, on vend ça 2 millions. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. On fait ça. Mais honnêtement, même si je veux. Je ne que que comprends pas, là, pas mais comment ça. Puis en plus, eux autres, là, je sais pas où c'est sorti ça, mais comme un, là, un an, y il avait, y avait un topo sur ces gens-là dans le métro. Puis ils étaient comme Waouh! Comment ça se fait qu'à 22 ans, vous avez euh, un building? Ben est des assisteras... On a toujours ah. été. Ils il répètent toujours, on a toujours aimé l'immobilier. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? The fuck is that? <laughs> puis là tu que les parents de la fille sont dans l'immobilier depuis toujours, puis là dit-nous notre truc ça a été euh, d'approcher les gens avec un bon cache-down de cash, puis elle dit ça c'est pas maman, papa qui nous l'a donné, c'est des amis pour <laughs> hein? oh vrai, ben... hey, tabarnak, je vais te pendre. Voyons, calisse. Ils, ils sont eux même autres, pas font, Hey, on s'excuse, on a fait ça de bonne foi. Non. Tu fais impossible, impossible. <laughs> tu le sais, c'est quoi On en parle tout le temps, crise de cruche, puis ton chum tweet. Genre, tu le savais ce que tu faisais. Puis depuis ça, les gens sont juste, mais on s'excuse, hein, c'était vraiment pas ça. Puis ils vont le payer, puis c'est pas grave, ils font 300 000 sur le building. Ouais. Ça. Mais comment c'est fait qu'on leur a pas enlevé le building Ils ont mis quelqu'un dehors. <laughs> <Ouais>. illégalement mais c'est ça Les autres fuck? ils perdent une partie de leur profit mais tout? ils perdent même pas de l'argent ouais. ils vont juste faire moins d'argent que ouais. d'habitude mais comment ça avec se fait qu'ils ont le droit 000. encore d'acheter des buildings ça devrait être tout de suite ben non ben non ben non. Ben non. les maisons sont pas achetables tu, tu vas pas en acheter calice voyons moi en partant là, tu vas acheter une maison cool tu vas t'habiter habiter dedans non ben ben tu l'achètes pas tu l'achètes pas mmh. c'est quoi ben cette ben affaire ben là c'est quoi cette, cette affaire-là? On achète les maisons de tout le monde, puis après, ça, on les revend à fort au prix parce qu'on les a toutes. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que ces gens-là veulent? On devrait tout de l acheter. De l'argent. Non, mais mettons qu'on achetait tout ce que les autres y voulaient. Le caviar? Oui. On n'a pas les moyens. Man, on se fait une levée de fond. Ah, Des fois, <laughs> je serais juste satisfait qu'on passe en avant de leur bloc et qu'on leur crise des œufs dessus, mais en même temps, ça serait pas, je pense ça, c'est les locataires de la place qui ont ça. Eux <laughs> autres, on sait pas où est ils habitent. Probablement dans une estime de place qu'on va jamais. Là. Un château lait à Laval. Ah, non, 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 non. <laughs> ils achètent du stock en plus sur le plateau. Là, ouais, des siplex sur le plateau ouais, ouais. à 23 ans. Yeah. Dans un monde de crise. Pis ils font Comme, rien pour la ville, point? ces gens-là. C'est eux autres, après ça, qui font fermer des salles de spectacle, qui gentrifient faut les quartiers, où ce que là, tu peux plus trouver un sandwich à moins de 12$ parce que tout est en salami compliqué. <laughs> puis euh, <laughs> Genre euh, en légumes marinés. puis tout. Je veux dire, j'aime ça, là. Mais mm -hmm. des fois aussi, c'est bien, la petite place à sandwich, Bandme. Ouais, ouais. ah, non, mais là, c'est si vous là, là de ça. Tu sais, allez vivre à Hollywood avec les autres sites craintés, là. Ah, ouais, ouais, a mais tous les, les crinqués même, tous ceux qui veulent profiter de tout le monde, faire de l'argent. Parce qu'honnêtement, je te le dire, c'est comme ça qu'on fait de l'argent maintenant. Tu profites des gens. C'est tout, Il n'y a pas d'autre façon de faire de l'argent. C'est la meilleure façon de mais faire de massive, de effectivement. Profite du monde. Prends plein d'emplis, comme l'autre cave, là. L'autre article dans le Devoir, c'était cette semaine? Oui, c'est une compagnie ah. de moulure de, de bois. C'est Canadien, c'est bah, Québécois. Puis l'article, ah, oui, oui, euh, genre, est, nous dit, en fait, ça nous dépeint la difficulté de cet entrepreneur-là. En ce trouver moment, il y a employés, plein de commandes, ouais. puis il n'y a pas d'employés. Puis là, il se plaint de la lenteur administrative du gouvernement qui veut faire venir des, des gens sous-payés d'ailleurs. Puis là, il se plaint que c'est lent. Ouais, c'est là de parler les gens ailleurs pour les payer moins cher que ça salaire minimum. Puis là, il nous explique, minimum. Chris, <laughs> dans les deux dernières années, il a monté le salaire de 13 à 18 dollars. Puis ils ont un taux de rétention après deux mois de moins de 1%. Wow! T'imagines la job de marde. Qui n'est pas payée assez Mais cher. Mais c'est pas grave. Aussi... La journaliste du Devoir nous présente ça comme pauvre, lui. Ouais, pauvre <laughs> monsieur comme, que ça marche pas. est-ce que de ce gars-là? C'est... C'est l'ex-looter, <laughs> C'est ça, lui, s'il pouvait faire venir des enfants pour travailler dans il ses moulures, il le ferait, c'est juste qu'il n'a pas le droit. Mais regarde, au lieu de payer son monde 25$ de de monter les conditions de travail, de tout ça, parce que lui, ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il paye genre 150$ 000 000 par, semaine. Par, semaine. par semaine. Mais il ne veut pas payer! Mais il veut pas monde. payer plus <laughs> le monde pour y arriver à aller faire ça. Non, fait que là, il faut que le gouvernement, c'est-à-dire toi puis moi puis nous, nous, on finances. investisse dans des programmes pour faire venir du monde des pays plus pauvres que nous qui vont accepter de travailler moins cher puis que le gouvernement va compenser une partie du salaire en plus, es comme, mais en tu' t'es comme comment tu nous Pourquoi on fait ça? Ouais. Hey, si pas capable de faire les mouleurs pis de payer le monde, ben t'es pas capable! <laughs> c'est quoi? C'est what's next, là? Genre, ouais. tu vas embarrer des enfants dans le sous-sol, fermer les lumières pis dire que c'est ben le <laughs> non. Non, Tu, tu le vois aussi, c'est quoi le problème d'abord? Tu me dis que ton carnet, il y a full de demandes. That's weird. Fait que full de demandes. Mais toi personne veut travailler pour toi. Moi le lien je le vois assez facilement merci là, <laughs> parce que tout le monde veut des bons jobs là. Mm -hmm. Comme fait what the fuck dude. C'est comme un hein, puis les gens comme ça ne sont pas gênés de ça. Lui il va parler de ça au devoir. Y a aucune idée là il a l'air d'un gros moron. Puis la journaliste non plus apparemment. Elle reçoit ça comme du cash. Hey, tu sais, c'est ça, c'est pas facile. Il est pas capable de faire venir du monde hey, à 13 de pis... Ils font 7 millions par année. Quel les genre? Ils là en char de luxe. Ah c'est sûr. là. Genre, il... c'est ça qui est malade. puis il nous parle de ça. Chris, t'es capable d'avoir du monde travailler pour 11 dans mon hostie d'usine poche dégueulasse Ou ce que tu payes rien que Saint-Piton pendant 9 heures de suite avec tu aucune temps de travail. tu du Oui, tabarnak! Des calices avec tes hosties d'affaires. Hey, on pourrait hey. tous vivre le même monde sans mouleux. On a besoin d'aucune mouleux C'est du petit bois pour rénover ta capable. maison. On mange la merde. Plus capable. Ce monde-là devrait être gêné. Lui devrait rouler dans une BM renforcée de type Homer parce qu'il a peur de se faire genre des briques des la Voyons donc. Chris, t'es lex l'auteur, Genre, va-t'en, là! On veut pas de vous voir! On Mais genre, ces gens-là, on les aime. Puis quel genre d'État, quel genre, genre de ça? société fait nous, on a des programmes pour faire venir des gens qui parlent pas notre langue qu'on peut payer moins cher. Ah, ça, c'est ce ça, ça légal, ça. Oui, ouais, oui. Hein? Ça. Tu te souviens, l'affaire de Savoura, c'était ça. Ouais. Ben Boussoura, non, c'est une autre affaire autre. de faire, mais il y en a mais plein. De Demers, c'était qui, là? Je pense que c'était Demers, ouais. c'était comme De Mers, là. Tu sais, il y avait un reportage, tu sais, il faisait genre le, un an là-dessus. Il, il vivait dans, dans des conditions trous, épouvantables, ouais. genre pas d'eau chaude, tout ça. Il s'est excusé puis encore sa business. Il encore sa business, puis tu peux être sûr que c'est rien passé. Tu sais, au pays, ils ont genre enlevé la fuite d'un toilette, mais comme c'est pas devenu un, un motel incroyable. Non, là. mais eux autres, en plus, ils payent moins cher puis ils font Ben, c'est ça, nous, on a organisé ça. Vous êtes sept dans la chambre. C'est des adultes. Ouais, ouais. T'es fait venir de l'Amérique du Sud pour tes hosties de cocombe. Mais tu vas te toi, puis va y ramasser tes hosties de cocombe. C'est malin. Pourquoi, on... Pourquoi c'est légal, tu sais, effectivement Ça sert à quoi, de toute façon, on un salaire minimum si on peut passer à côté en, faisant, en payant du monde moins cher Parce qu'ils viennent d'ailleurs Comme comment Puis même imagine-toi À quel point vous êtes Créé le salaire minimum les faire venir Ça pour vrai honnêtement J'en viens pas que ça se passe Mais ben, c'est un genre d'esclavagisme moderne C'est 100% de l'esclavagisme Parce que j'en t'enlèves à ces gens-là La marge éthique, de profit le ouais, On ça. les paye Le VUS vert là mais c'est comme yo ah ouais c'est aussi les VUS, c'est une autre affaire il faut qu'on se parle pouvoir arrêter d'acheter ça s'il vous plaît c'est quoi l'affaire là? Un ah, autre, encore ben, c'est parce que je pense qu'il va falloir qu'attendre qu'un enfant par semaine frappé parce qu'il y a un enfant va. qui s'est fait frapper encore la semaine passée par un gars ah, ouais. l'a 100% pas vu c'est sûr à tourner d'une ruelle parce que tu vois rien là-dedans je veux Aye. dire honnêtement à moins que tu mesures 6 pieds 8 tout le monde alors l'air petit tout le monde est derrière le volant de ça puis personne Aye. voit là c'est géant comme auto ça a des angles morts à los puis personne a un cours de conduite spécifique pour ça là. Genre, eux autres, ils font juste acheter le char, ils partent avec. Mais tu vois, je pense à Berlin, ils les ont empêchés, justement, en ville, parce qu'il y a eu ça, trop, trop, trop d'accidents. Mais ils ça, c'est peut pas. Y a là. Plus, ça va s'en venir ici. Là. Le trois-quarts du temps, ils commencent à le dire dans les articles, en plus. Là. Il y en a vraiment souvent, là. C'est ça. C'est tout il le temps ça. Pistes, Un petit ça. monsieur comme ça, qui voit rien, il est flush avec le volant. Tout est immense. C'est ça, il fait un enfant ruelle, pressé, là. Son si ouais. fait de la vie est tough. Ah ouais, c'est ça. Puis après, tu fais Chris, t'as as presque tué un enfant. Ouais, Puis rendu-là, ça donne rien quand je te mets en prison aussi. Je veux dire, je sais que t'es pas méchant pis tu voulais pas tuer un enfant. Fait que moi, ça me donne rien non plus de te faire subir une non, vengeance. L'enfant il est mort, là. Ou il est il est frappé, il y a, y a vécu un traumatisme, peu importe. Ah bah. Genre ça, on va pas récupérer ça avec une punition pour toi. Fait que c'est pas ça non plus. Puis toi aussi, es probablement traumatisé en même temps. De tout ça. Parce que personne ne veut rouler sur un enfant, c'est sûr que ce pas le fun. Non. Fait que, genre, ça nous aide à rien. Ouais, On mais c'est toi un qui avec cours ça. avec le couteau, Chris. À un moment donné, je me sens comme. Oui. Oh, oh, hein. Accident. Attends une minute. Là. Accident, ce pas non plus une roche qui arrive du ciel qui te tombe dessus. L'accident, c'est toi qui est irresponsable parce que tu conduis un véhicule trop gros et dangereux pour toi. Que t'es pas capable de maîtriser, pis tu fais pas du tout non plus avec nos installations en ce moment. Là. Uh -huh. Tu le vois surtout à Montréal, c'est comme crampant. Là. Genre, ils roulent, le, 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 ils sont tellement larges, puis ils ont peur de frapper les chars par le dans le milieu roulent dans le milieu des lignes. Fait que là, t'es comme, ben, ton char, il est trop gros pour la route. comme uh -huh. C'est weird, comme, pour comment ça que ça se peut. Ça, uh -huh. on sont pas capables. Fait en tout cas, ça pour dire qu'on est full de bonne humeur, puis... Ben, vous avez raison sur ces sujets-là, je trouve que c'est vraiment fucking... Vu-tu aussi qu'on parle oui. de la série qui va remplacer District 1? Oh, ont oh, eu une bonne idée! Une bonne idée, ça bonne se passe à l'urgence! Hey. Dans un hôpital, on n'a jamais vu ça, Fabienne! Fabienne, elle a inventé quelque chose, puis moi, je le juge, je sais pas si elle a déjà pensé, mais peut-être, pour l'autre d'après, elle avait-tu pensé le hockey? Ouais, peut-être. Oh, 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 elle pourrait peut-être écrire avec Jean Tremblay. Oh, la police. La police, peut-être. Ça, c'est ah. deux bonnes idées là, ouais. que non. tu peux rajouter à l'eau de l'hôpital. Ça fait trois ça. Ok, mais mettons qu'elle les mélange police de hockey. Hey, honnêtement, ça, ça, ça mélange nice. de quoi, ça pourrait-il être police à l'hôpital? Police à l'hôpital? Non, vrai que mais à quel je point? <laughs> <laughs> comprends ce que tu viens de dire. Aïe, mais... <laughs> aïe, <Ay, ay>, non. <laughs> c'est quoi, j'ai manqué quelque ben chose? vois Police à l'hôpital, mais comme pas nécessairement ceux qui sont. Hey, hey, oh, hey, 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 c'est ce pas que ça que j'ai dit. Ok, oh, oh. c'était pas une série fictive, c'était une télé-réalité. <laughs> 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 ok, c'est un ordre laveur. Non, non, non. non, non, non. Hey, mais Chris, non, non, à quel point elle a pas de talent, Fabienne? C'est pas elle qui écrit ça. Je pense qu'elle produit whatever of genre... Non, Puis d'ailleurs, elle a encore un autre contrat de fonds publics, encore une finance la carrière de cette personne. À ce script, t'écris toute la moitié qui est terrible. C'est comme à script, la moitié des affaires à Radio Canada. Radio Canada, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que TVA de Bourges? Ouais. Véro What plus the Fabien. Fuck is 99% going on? de Radio Canada. Pis on a deux émissions... personnes avec notre, avec notre diffuseur public. Oui, pis oui. Toutes les, non, tout... je sais, toi vous tu vous avez... veux pas, puis c'est oui. bien correct. Toutes les émissions où les gens lisent des d'Ascali et Chris qu'on est policier ici, je le sais. On est à l'urgence, il y a beaucoup de monde, c'est difficile. Ouais. Ah, c'est une bande de demeurés. Ça, ça c'est décourageant aussi. Mais ouais. sinon, à part ça, tout va bien. Ouais, ouais. Non, ouais, pas ouais. vraiment. Non, pas vraiment. Ouais, Mais je euh... joue vraiment bien de la guitare ces temps-ci. Je, je trouve me... ça a de l'allure. C'est-à-dire <laughs> je joue bien. Yes. Mais Since Plugin, ça va super bien. Yes, sir. C'est full le fun, ça. Bon ton de guide ces temps-ci. J'ai un bon ton. Ah, ouais, c'est une Mais... ironie, ça, ou c'est hein? réel? cest vrai, ça? Non, c'est vrai. Ah, fait okay. que dans le fond, ça, ça va. C'est juste que okay. pas okay. moyen de soutirer beaucoup de bonheur de ça. C'est une de sucre. Euh, non, non, là, je n'ai assez. <laughs> puis je réalise que je n'ai pas tant dîné, puis c'est ça, là, en ce moment. Tu du du que... Non, je veux pas de chou, je veux de chou. Un peu de, ton... de chou pour dîner. Là, je vais bon. faire des, des rôtes de chou érable. Oui. Hey, des choux sucrés. Une cirée à l'urgence. j'étais encore comme. Ben, Qu'est-ce qui va arriver? Tu penses-tu qu'il va y avoir encore toutes les mêmes dedans? Fait qu'on sera plus vraiment capable de savoir. Mmh. Je pense qu'à un moment donné, Radio Cannes vont racheter une série de Louis Morissette, mais anglaise. Puis ils vont la racheter, puis la refaire ici. Puis Louis va réécrire re et refaire de l'argent pour traduire sa série qu'on avait déjà vue. On dirait qu'ils sont sur le bord aussi de, comme, justement, acheter un concept qu'on avait déjà. Mais tu sais, genre, on ça. a acheté un concept comme la police. Es comme, vous l'avez déjà fait. Ça. Ouais, mais là, on l'a acheté, c'est un concept la police aux États. P'tit. Hein? quoi, On l'a fait 14 fois. La culture populaire, honnêtement, c'est mort puis c'est une des grandes raisons pour laquelle les gens sont si éteints. On les fait baigner dans la même affaire tout le temps. Ils n'ont aucune coalition d'idée de ce qui se passe. Puis tous les semaines, ils se font les émotions dans des affaires qui n'existent pas, puis qui n'ont pas rapport, puis qui sont même pas bonnes. Fait que je suis ai aussi de la culture. Je n'en peux plus. Genre, j'en peux plus. L'humour, j'en peux plus. J'ai réalisé ça quand on regardait les oliviers. J'en peux Avec le fun. Je suis devenu complètement allergique à un début numéro d'humoriste. Genre, les ça. L'autre fois, genre, tout de suite, je viens irrité et je ne peux pas écouter la suite. Je ne peux pas. C'est trop mal écrit, Jean-François. Je capote, genre, mais... En fait, je pense que je réalise que je peux plus supporter quelqu'un qui arrive en avant puis qui n'est pas en train d'être en avant. Il est comme ailleurs. L'épicerie, c'est... Mais pourquoi t'es en avant en train de me parler d'épicerie? C'est quoi ce concept-là? Ah, oh, ça, tu n'y as pas pensé. Tu parles juste d'épicerie. <laughs> OK. Puis genre, je trouve ça comme... Non, puis je veux dire, il y en a qui font du meilleur travail. Là, je dis pas non plus que tout le monde est pas capable, mais effectivement, juste comme ce divertissement-là en continue, toujours ce ton, toujours cette... <laughs> Un moment donné, ça devient, je trouve, comme débilisant. Genre, je deviens... Je me dis, hey, là, wow, on se parle jamais pour vrai. Genre, jamais, jamais, on dit les vraies choses. Jamais. On dit qu'il faut être honnête, que c'est important. Tout le monde parle d'être fucking authentique. Il y a personne d'authentique là-dedans. Zéro, pis il y une barre. À chaque fois que quelqu'un dit ça, je saute au plafond. Mm -hmm. Genre, c'est quelqu'un d'authentique. What the fuck does that mean? T'es qui, sinon? oui anyway? T'es ce que t'es, point. Là, je veux dire, même une personne manipulatrice, elle est authentique. Mm -hmm. Elle est authentiquement manipulatrice. Qu'est-ce <laughs> que ce... Effectivement. Ça change rien. Exactement. Même en fait, c'est ça, c'est ton rapport. Si, 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 si t'essayes toujours d'être quelqu'un d'autre, c'est ce que t'es, le gars qui essaie toujours d'être quelqu'un d'autre. Peut-être juste Donc... un code pour dire que ce pas un hologramme. Peut-être que les hologrammes nous ont comme envahis, puis là, ils disent, ah lui est authentique. Hey, est si pas au pas moins c'était ça. Si au moins c'était ça, honnêtement, Il y je serais dû pour une coupe <laughs> D hologramme, d hologramme, là. <laughs> Vraiment. Donc, ben non, imagine les hologrammes, c'est éternel. Là. Wow. Non, non, on m'en est les batteries lâches, là. <laughs> as as de là de l'autre côté aussi. Tu des fois, il y a des gens qui sont plus authentiques. Des fois, dit ça va arriver. Mettons que quelqu'un va dans une émission ou quelque chose, puis il est comme honnête par rapport à des sentiments difficiles. Puis on, on applaudit beaucoup ça. Mm -hmm. Mais après ça, on dirait que ça fait juste ça. C'est tout. Bravo. Là, mais ouais, OK mais il y a rien de réglé là. Mais en Cette plus -là, si, ben, coup, ça c'est un exemple positif parce que je veux dire quelqu'un qui essaie d'être honnête, Safia puis moi, t'avoue ça n'a pas bien viré là. Non, tu peux pas être le honnête Le pas Harry vraiment ça. Bon, ouais, Faut que tu sois honnête comme tout le monde en fait, honnête comme Faut qu'ils qu se reconnaissent dans tes Dans ton honnêteté, tu ouais. sais. Fait que, ouais. on dirait que ça à la base ça peut pas être honnête, fait que tu peux pas tant être honnête là, à Ça ce dépend point là, ça dépend puis pourquoi mais des fois effectivement ça mais je trouve que quand même c'est comme c'est comme si, dans le fond, on s'en foutait un peu des émotions de tout le monde. C'est comme, oui, oui, gars, hey, aujourd'hui, ben oui, tu te sens le même, mais là, on va aller travailler, là, puis euh, go, ben go, go, oui, mais go, mais puis réussir. Ça. Quand tu as un prochain show, puis que tu retrouves le succès, puis tu fais, man, je viens de te dire, j'ai fait une dépression. Je... Non, mais on dirait que tout le monde veut juste que tout le monde revienne à fonctionnel. Mm -hmm. C'est juste ça, notre but, les uns pour les autres. Comme, tu sais, je veux pas ta charge, fait que juste, oui, oui, c'est correct, gars, là, je te supporte, mais juste... Hein, on retrouve le sourire, on repart. Non! Je viens de te dire, ça va pas! Mm -hmm. Je peux pas juste comme paquer ça up dans un sac à dos puis T'as raison! Non! Non! <laughs> non! C'est pas ça! Je trouve ça dur, ça. Je trouve qu'il n'y a comme pas de... On care pas vraiment les uns pour les autres, dans non. le fond, on s'en cas Oui, ben, Mais le... je, je, ben, je care même pas pour moi, des fois. Fait que c'est des fois, oui, effectivement. Puis tu sais, peut-être, on le fait, j'imagine, pour certaines personnes, tout le monde, là, on a des gens autour de nous qu'on care plus. Puis je comprends, je dis pas que genre. Je pas, dis pas que je suis différent non plus, mais je trouve ça difficile de constater ça. Mm. Que finalement, on s'en fout bien là, du monde. Puis gars, comme là, l'Ukraine aussi, là, t'sais, on en parlait déjà la semaine passée. C'est fini, cette gars-là, finalement. C'est de plus en plus. Il n'y a personne qui parle de ça. Là, c'est Will Smith, là, all over. Mm -hmm. Fait que l'Ukraine, c'est fini. Puis aujourd'hui, je vois passer un article de moteur de recherche qui n'est vraiment pas la pire émission là, de Radio-Can Audio, honnêtement. Là. Ils ont souvent des trucs super intéressants à propos de la science-technologie puis plein d'affaires. Ouais. C'est bien documenté. Ce n'est pas juste comme une affaire d'opinion qui n'a pas rapport. Mais il y avait un article aujourd'hui, puis encore une fois, je suis sûr que personne n'a vu ça passer. Là. Mais genre... Ça faisait juste dire comme les gens s'inquiètent à cause de la guerre euh, en Europe. Est-ce qu'on peut quand même être vacancié en Europe? Euh, oui, on peut, mais euh, plus en Europe de l'USP. Là, t'es comme, hey, la gang, excusez-moi, pouvez-vous vous, être juste un petit peu moins bourgeois en parlant <laughs> hey, de la guerre? C'est indécent, sacrément, c'est indécent. C'est OK, je comprends ce que tu veux <coughs> dire. Je comprends le monde. Ils sont comme, moi, je pensais peut-être à l'en France. Tu es correct? Je dis pas que t'es un nasty malade, mais reste que, recule-toi deux secondes. Pis pense à ça, là. Toi, ton concern avec la guerre en ce moment, c'est de savoir si toi, tu peux aller manger un gelato. Oui. Chris, comme on, là, je veux dire, gars, si t'es pas sûr, annulez ton billet, voici donc ou pas. Ouais. C'est fucké, là. Genre, c'est vraiment, je trouve que c'est ça. Ça, c'est assez bourgeois. Ça, c'est dégueulasse de notre époque, oui. Ben, tu de demander demandé de même, mais je trouve c'est comme. C'est Seulement, on n'a pas cette gêne-là. Ou du moins, on dirait qu'ils pensent toutes que. Ben, tout le monde, je sais pas. Ouais, ils doivent penser que tout le monde est dans leur situation. Comme... Ben, je pense que c'est ça. Je pense ça, que ouais. les Bourges réalisent zéro les, les challenges que vivent les gens en dessous d'eux autres dans la hiérarchie. Ben, hi ils pensent c'est comme eux autres. Je pense que la classe moyenne, un peu plus upper, là, pense que c'est la même chose. Moi, je pense qu'on a des amis. Qui pensent qu'on est plus proche d'eux que ce qu'on est. Quand, dans le fond, sont 10 ils sont dix fois plus nous. Qui ne soupçonnent pas que des mmh. fois, tu sais, genre, euh, la différence est majeure, mettons, dans nos rythmes de vie. T'sais, ils savent qu'on en fait moins, puis que, tu sais, clairement, avec mm -hmm. ce qu'on a, on en a moins. Mais, mais je sais pas comment dire, je pense pas qu'il y a une réelle compréhension des enjeux différents. Pour, pour les gens qui font plus d'argent que nous. Ben puis je pense aussi y a pas une envie d'aller creuser là. non parce, parce que, parce que, que, que genre, y a avec un malaise puis avec une. Ouais. fait que c'est pour ça qu'on est gêné au Québec de parler du salaire parce que c'est gênant. Ouais. c'est gênant vos mouleurs de chaîne. Ouais. c'est gênant. Hey, les mouleurs <rire> de <laughs> chêne que vous avez fait faire en, fa en, fa en faisant venir du monde d'ailleurs pour les payer 8 pièces parce que vous voulez des... c'est ça qui est fort oh, en dans l'article aussi, à un moment donné, ils font ben là c'est sûr on voit des réfugiés d'Ukraine fait qu'on espère ben gros. Chris il nous dit ça dans l'article. Il a ah il espère. Il T'sais, ah! A... sais je veux dire! Des réfugiés de guerre vont faire vos moulures! Oh, hostie, bande de tata. Moi, je ouais, sais! On, pas. on a un nouveau projet pour Will Smith. <laughs> Mettons que t'as une autre petite claque dans toi, là. On a quelqu'un! <laughs> non, mais ça se peut pas! Dis ça de même! Mais c'est ça, je te dis, les gens, c'est ça qu'ils voient. C'est ça, l'économie, ça crée de, ça de nous. On voit des opportunités dans la dèche des autres. C'est ça qu'on voit. Ah ouais, qu c'est juste ça. C'est ce... hey, de. Tu la télé, les nouvelles aussi, est comme. Tu on dirait que, à un moment donné, je trouve ça tout match le monde qui disait. C'était de la propagande radio canot tout, mais tu veux mettre un sens? C'est parce que tout est établi. T'es là, puis tu fais ça, c'est normal. Ça, c'est l'entreprise qui a de la difficulté. Tu fais, non, c'est pas l'entreprise qui a de la difficulté. C'est quelqu'un qui exploite les gens, puis là, il trouve plus personne. À mais il n'y a jamais ouais. personne qui va parler de ça. Il y a pas quelqu'un qui va dire, mais en même temps, vous trouvez pas que c'est un petit peu. Non, jamais. Jamais. Puis pour plein de raisons. Euh... Autant parce que ça intéresse personne, autant aussi que ce pas les pauvres qui payent des annonces dans leurs médias. Non, on ne veut pas de marde. On veut pas vraiment veut... dresser non. ça. Non, oh. ben, puis je pense que c'est un peu aussi... On, on voit ça comme ça, puis ils ne voient pas l'autre côté. Parce j'en connais pas, là, ce journaliste-là. Mais honnêtement, à a fait ce papier-là, puis on dirait qu'il n'y a aucune, aucun revers de la médaille. C'est comme si ça avait jamais été même... Réfléchis deux secondes attends une minute là. C'est lui ce qui me dit toute la vérité puis genre j'ai rien d'autre à aller checker ben, tôt En tôt fait c'est que moi dans ma tête à moi t'es au Mais service de ce gros de journaliste c'est qu'elle a pas, elle n'aimait pas son opinion. Non, non, mais c'est pas mais une affaire de questions. C'est plus une affaire d'établir les faits. Puis là, comme ouais. je disais, tu juste les faits en fonction de ce qu'un gars riche te dit. Mais il y a beaucoup d'indécence dans cet article-là. Oui. Puis on dirait que c'est jamais t'sais, jamais une question de Ouais, mais vous pensez que vous payez votre monde pour Non, plus mais écoute, tu as vous... été interviewé quelqu'un qui est parti après deux semaines. C'est ouais. quoi les calices de conditions dans cet hostie d'usine? Pourquoi personne hey, reste après peux deux, me deux me mois? tu que c'est un fait moins de 1 de rétention d'employés à 50 employés et plus par mois? C'est insane. The là. fuck, Ça veut dire que tu as juste. Un, une ou deux personnes qui sont là depuis plus que mettons c'est les deux personnes qui ont les bons postes bon, bon. puis les oh, ben autres. c'est ça en plus c'est que ça doit être ton manager ton affaire parce que ton toi, fils, qu fils ton cousin job. genre mais, mais les gens clairement la job elle doit être terrible aussi mais tu sais ça c'est comme pas adresser tu sais jamais même une question parce que tu au pire lui il aurait pu répondre ce qu'il veut mais déjà de l'adresser de faire mais là les jobs c'est ça puis de pas aller voir le point de vue de l'autre on voit juste ça d'un point de vue économique en même temps il y a comme quelque chose de rassurant dans le fait qu'il y a juste 1% du monde qui reste parce que tu sais si le monde était vraiment Christmas dans la merde, il irait travailler dans ce shop. -là. Ben ouais, mais il y a ça, mais en oh, même temps, ben, ça, ils ça, continuent. Ils vont de travailler dans la merde d'ailleurs. Oui, c'est ça. ça mais ils mais font au... le saut de ces jobs-là, ces jobs-là sans mais arrêt. Mais il y a quelque chose de louche là-dessous, là, là sais, genre. Ben, je me semble que sa preuve est là, que ces jobs sont de la merde Tu sais, que quelque part, c'est peut-être un peu le salaire, c'est peut-être les conditions, c'est sûrement beaucoup tout ça mélangé ensemble. Mm -hmm. Puis il n'y a rien de ça qui est adressé. Fait que donc, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on peut est trouver quoi, des, des gens là qui, qui vont accepter ces mauvaises conditions-là? Sont où? Mm -hmm. Tu sais, c'est ça, on dirait qu'ils sont comme « Chris, les pauvres, à cette heure, ils sont pas assez pauvres, ici ça? » nous prend des nouveaux Mais penses, en fait, c'est littéralement ça qui est dit, là. C'est exactement ça. On donne assez ici, mais ça a l'air qu'on donne pas assez pour nos pauvres. Fait qu'au moins on va aller voir des pauvres qui sont un petit peu redevables, tabarnak, reconnais reconnaissance. C'est ça qu'il disait, c'est qu'il pense qu'il donne trop d'argent pour le travail qui est demandé, puis que ben, probablement parce qu'il y a des travaux comme vraiment plus le fun qui payent plus que ça ou qui sont juste plus le fun. Ben ou peut-être la santé est pas en danger. C'est ça, c'est comme... le fond c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'on va arriver au point où les gens voudront plus ramasser les ordures sur le bord du chemin. Je les comprendrai en tabarnak parce que c'est un super pas le fun à faire. C'est difficile physiquement, puis le salaire est plus assez compliqué. c'est pourquoi il y a des gens qui le font, c'est que honnêtement, c'est quand même pas si mal payé travailler mettons rajoute ça. Parce que si tu enlèves ça, mais ça c'est pièce il y a personne qui va aller ramasser. Fait que là, ils ont comme pas le choix parce que ça serait un gros problème de santé publique, puis personne ne veut gérer ça, personne veut gérer ces astuces de vidange. Fait qu'ils font juste payer de plus en plus cher. J'ai vu on fait un article à New York comme quoi ils ont changé comme les règlements. Puis là, euh, en ce moment, les vidangeurs à New York font vrai 100 000 par année. Ah, a, parce que hein? c'est comme des rendus des contractuels, c'est pas une affaire faite par la ville. Fait que là, ils ont fait des appels de contrat. Puis là, les gars sont partis de avec des, des trucks. Mais dans le corps, là, c'est ben oui, tu sais pas qu'ils font rien. Ils font du 12 heures par jour, genre, pis tout. Ouais. Mais quand même, tu te lèves un, un, un salaire mais de 150 000 si par année. Merci mais Mais c'est pour, ah, pour ça aussi qu'il faut ben les ouais. payer. Parce que sinon, Fait pourquoi? C'est ça. Tu veux que le monde fasse des mouleux dans ton usine de marbre? Ben, paye-les. Sinon, pourquoi ils feraient? Non, mais vous avez pas de trouble avec ça. Ça prend quelqu'un qui fait 1.2 million par année chez Desjardins sinon c'est pas compétitif puis c'est ouais. bon mais ça ben, même crise d'affaires pour les vidanges dans ton usine crise de tâches ouais. voyons-tu t'attends toi tu irais en plus pour de vrai si toi tu ferais pas un job je vois pas pourquoi qu'on irait en faire pour toi mm -hmm. tu sais genre toi tu montes une usine puis personne veut travailler pour toi, tout tu t'aurais de l'envie là. tes monsieur, ils dégueulasse, man. <laughs> tu sais 13 13, 13 c'est quoi c'est 13 50 le 100 minimum <coughs> <dans ce coughs> en ça ça. Je sais pas. Je pense que c'est ça en tout cas. Hey, puis tu vas pas me dire mais, tu vas pas t'applaudir de se monter 2 en 15 c'est fuckall. Genre calcule calculez comme tu veux là, tu sors de ta semaine avec pas grand-chose, puis tout coûte super cher. Je veux dire, il y a personne qui arrive bien au salaire minimum même si tu vis comme un moine. C'est encore moins là. C'est difficile. Parce que là tout va augmenter mais le salaire minimum ne montera pas avant une éternité. Mais non, éternité, parce que ça, genre... ça ferait tout augmenter, Mathieu. Fait que c'est ça, là. Pour vrai, là, tu sais, les économistes et les, les, les gens des. Nouvelles ben, c'est juste du monde qui haïssent les pauvres, bon, honnêtement. Non. Vous haïssez toutes les. Vous encore Genre, vous êtes là, vous flashez votre cash devant le monde, vous allez au resto. Tu sais, c'est ça, là. Je veux dire, fuck you. Si t'es capable de te payer des bouteilles de vin à 400$, t'es capable de payer plus d'impôts puis vous êtes capable de tout me colisser patience à moi. We'll c'est ça qui se passe, là. C'est que vous autres pourriez avoir quand même beaucoup de luxe, même en payant plus. Vous pourriez juste en enlever un petit peu, un petit voyage de moins par année. Ah, oh, tu verras pas, Florence, cette année. <laughs> hey, yeah. Tu verras l'an prochain, mais nous quoi? autres, on n'arrive pas à vivre. Puis je veux dire, vous avez la, mm. la botte sur la gorge de tous les pauvres. La société, là, nous draine jusqu'à rien. On travaille fort, on fait pas une crise de scène, puis vous nous courez après pour des dettes. Je veux dire, j'ai rien. Venez voir chez nous, il y a rien, Ce C'est pas comme si je vivais, là, genre, euh, la grosse vie de Pacha, puis tout, là. Je veux juste la crise de paix colis et nous, patience, puis tout le petit monde qui pose sur Instagram que ça fait des mois que vous n'avez pas bu un délicieux vin au restaurant, payez mes impôts. Je suis là. Genre, avant que ça hey, on avait-tu out là, pendant la pandémie, <laughs> je t'ai pogné à la maison, là, dans mon grand loft, là, dans avec mon grand ma couche et tout. Puis là, ça fait deux ans, là, j'ai pas pu manger un repas à 200 <laughs> Hey, ça me manquait tellement. Tu sais, ça manque tellement d'humanité, je trouve. Encore une fois, je comprends là, que ces gens-là font pas ça pour ça. Mais réalisez-vous que c'est une période full difficile, puis vous flashez votre réussite, puis votre plus-value, puis votre over. Parce que c'est pas juste genre « Hey, je suis content, j'ai un toit sur la tête », comme « Non, regardez, notre nouvelle maison rénovée. » Puis là, en plus, t'as eu des crédits d'impôt pour faire ta salle de bain. Hey, Pourquoi que je que te donne des crédits d'impôt pour faire ta salle de bain? ou aussi, une décoratrice pour ton salon. Comme ouais. c'est un, un monde complètement absurde. Fait que, genre, non, non, c'est ça, là, les bourges. Là, vous allez payer plus parce que là, on n'est plus capable, la classe en dessous. On n'est plus capable. Attendez pas, Constan, c'est fucking lettre quand ça fait ça. Là. Mm -hmm. Personne veut se rendre jusque-là. Mais là, vous étranglez le monde. Mm -hmm. Ça peut pas durer. Là. Je veux dire, je peux pas croire qu'on est les seuls à se sentir de même. Il y a plein de monde en ce moment qui se sentent étouffés, là, qui se sentent comme l'eau là. Ouais, mais ils sont pas à télé. Puis non, euh... ils parlent pas tant. Puis nous, tu peux pas parler de ça. C'est super honteux. Moi, je suis avoir honte d'être pauvre. Là. Ça, ça t'est comme inculqué, là. Mm -hmm. Que c'est de ta faute, que c'est ta responsabilité. Puis si moi, j'ai pas d'argent, c'est sûrement mon petit problème. Puis la première affaire que le monde te dirait aussi, c'est on va regarder tes dépenses. Puis là, il faudrait que moi, je sois, là, parfait. Il ouais. faudrait que je sois l'homme idéal comptabilité où ce que je réussis, moi, à partir le matin, boire mon petit verre d'eau, m'en venir au travail avec mon lunch qui a coûté une pièce et demie, retourner chez nous, pas fumer de cigarette, pas fumer de potes, pas prendre de bière, pas avoir le câble, pas avoir un téléphone, rien juste m'asseoir dans le noir et attendre que demain arrive. Chris, pourquoi je devrais faire ça <laughs> T'as qu'à y être, me suicider là. <laughs> c'est ça que vous cachez pas, genre. On dirait que oui, oui, là, je comprends, je le sais que des fois, je dépense pas tout mon argent parfaitement, mais je trouve ça indécent. Ouais, mais c'est jamais un C'est pas comme un. Il faut un que je fasse mal. Parce que m'achète un café. Chris, un café là. J'ai pas une Ferrari là. C'est pas comme genre, je suis allé, j'ai vendu de quoi. <laughs> j'ai acheté du caviar. À... Mm -hmm. Je mange rien de ça. Je fais rien, Calis. Genre, ça, ça me rend cinglé. Honnêtement, je trouve que tout le monde devrait comme plus réaliser ça là. La difficulté que c'est. Puis je, encore une fois, je parle pas juste de, de moi. Là. Je le sais qu'on est plein de monde dans cette situation-là. Je veux dire, moi, je le vis. Fait que oui, c'est personnel. Mais je veux dire, il y a plein de gens. Tu sais, je vais à l'épicerie, je vois le monde, je fais comme eux autres. Man, ils font des salaires de cul. Là. Ils sont du 7 tous les jours. J'en si pas deux autres, je trouverais rien dans mon épicerie. Je pourrais pas rien faire. Puis on les paye comme de la merde. Puis le gars de l'épicerie doit faire full de... comme c'est quoi ce système-là? Pourquoi on accepte ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Mmh. On peut pas faire d'autre chose. On est pogné là-dedans. C'est fucked up. hein. C'est vraiment... Juste parce que quoi? Parce qu'il y a du monde qui en veulent plus, qui veulent flipper des maisons, qui veulent un spa sur le toit. « Hey, je m'en calisse. » Fais-les ton spa sur le toit, mais Non, moi ça. Laisse-nous tranquille. C'est parce que vous nous tuez, là, mmh. à petit feu. Toute la main-d'œuvre, tout le monde qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, le vos hosties de good food, là, de où si tu penses qu'ils viennent? C'est qui qui ramasse des crises de poivrons pis qui viennent dans des sacs individuels, c'est chaque bouchée de poivron? <laughs> dans un petit crise de sac. C'est quelqu'un qui fait pas une co de scène. Oui. C'est tout ça, c'est qui le Go Dep? C'est tout le monde, l'employé au cinéma, tout le monde plein de d'artistes qui font pas une scène, puis qui inspire tous les autres de pas bon, qui font des crises d'affaires pareilles comme tout le monde, oui. en s'inspirant, crise du talent de tout le monde qui fait pas une crise de scène. Je suis à bout! TANNE! <Paulaire> Top <Tough> LIFE Anonymous! <laughs> oui. Bon, fait que là, on va nommer des noms. Je pense <laughs> que c'est du une pierre de sucre, là. <laughs> ouais, c'est du <laughs> ouais, <'est> <laughs> -ce une pierre de sucre, là. une cigarette wow, aussi. Le bâtiment wow, wow, vale. ouais, wow, wow. <laughs> <laughs> est bon. Tabarnak! C'est du vide-marde, de collier, j'ai rien demandé. Mais... Qui on prend une petite pause non, la, la, mais, non, ben non ben non ça oui. fait 1h20 qu'on ah, est là ouais, on prend même pas une petite pause on prend là. une petite pause d'une journée on revient demain <laughs> sur scène au Théâtre Vermont venez nous voir sinon je vais être fauché <laughs> ça c'est vrai mais en même temps plus, on fait même pas l'argent avec les shows tu sais genre non plus les gens ils savent pas probablement mais ouais tous les shows qu'on a fait cet automne on a fait combien que ça euh moins ben, 200 200 dollars à peu près overall pas chaque overall, en 6 overall, overall. shows oui tu sais pis je veux dire c'est pas grave là mais c'est juste, encore une fois, t'en connais-tu tout, hein? Ben, du monde! Travail! Comme six soirs faire deux réveillances collectivement pour arriver. Non. Chris, même Marie-Hélène Tipper ferait pas ça, Carlis, t'imagines? Mais c'est parce que nous, on a fait le choix de pas être en colère. Fait que c'est Trop pas ça en colère, ouais est <laughs> ce qu'on fait, là C'est pas racoleur C'est attaché à un tabarnak, je trouve! <laughs> non, c'est parce qu'on pourrait être racoleur On pourrait, là. Ouais, ça, honnêtement, voilà. si, on, si on prenait la décision. Je là, pense pas que je suis capable de Moi Je te le dire, là. Cette semaine, et aiment pas ce Bon. moi, je sais pas, des fois, là, je suis vraiment sur le bord, là. Je suis, je suis le bord de partir avec caca là. Je te le dis, là. Hey, je vous le dis, les gars. Vous allez tous rouler en Tesla. Si ben, d'abord, fuck racoleur. it, on fait cross-caca. Je me fais faire des plombages, puis une couronne tannée, puis après ça, on fera l'autre chose. Ben oui, mais ça peut pas s'appeler cross-caca, là. Mais mettons, là. On peut, là. On peut, là. Et tu C'est juste que. Ça Il faut on leur piler sur notre orgueil. Là. faire va... des affaires, ah, ça ne tente pas. mais ce n'est pas l'orgueil, ça. Il faut faire attention. Moi, ce n'est pas, pas, orgueil, est pas par orgueil que, que je fais pas ça. C'est faut plus quelque chose. C'est plus, plus par amour. Mais ouais, c'est ouais, un peu piler sur des principes, des fois. Mais ça. aussi, juste, ça ne me tente pas. Honnêtement, si ça me tentait là, de faire des jokes de pénis, j'en ferais plein, là. Genre, je ferais ça tout le temps. Pourquoi je ferais ah pas mais ça? Mais t'as pas besoin des jokes de pénis, là? Euh, oui, si tu veux qu'on fasse de l'argent, on va avoir de la joke de pénis sur Oppo. Oui, c'est pas obligé d'être. La, la moitié de l'humour mondial, avant veut partir, euh, mon coloc, je sais pas pourquoi il fait ça. Des fois, il se tape des trucs du Québec sur Netflix, il parle les trois petits cochons d'eux. <laughs> en dedans <laughs> de cinq minutes, deux jokes d'érection. Ben oui. Asti, arrêtez de publier des films de gars bandés, sacrement. À... <laughs> les gars, crossez-vous avant d'écrire. Croquez-vous avant de tout De tout là je, Moi si t'es pas tracé Je veux plus le voir Pourquoi tu fais trois jokes De pénis bandé Sacrement T'es pas capable De penser à d'autres choses Asti tata <laughs> Chris voyons Bandé Bandé J'ai vu Bandé c'est ça, C'est ça qui vend Liste vient, de gang de Si vous voulez qu'on vende des affaires, on va en vendre des choses. Calvaire! Je moi, veux moi, je, veux plus moi, moi, moi je veux une série télévisée où je suis bandé à l'hôpital puis que les policiers sont là les aussi. Gars, on ouais. a tout en même temps. Bandé devant des policiers, notre hey, nouvelle série. Ouais, mais comme combien de films et de séries sur des hommes bandés malheureux en coupe on peut le faire, mettons Combien c'est possible, me Une de plus, affaire. Mathieu! Une de plus! <laughs> une de plus! Puis <laughs> si on n'est plus capable d'en inventer ici, on va en acheter une, Asti, ben qu'on oui. fait au Danemark! Ah yeah. ben oui. oui! Ok, juste pour le fun, on essaie tu de dire chacun une affaire positive, juste pour mettre le cap là-dessus? Okay. Une affaire, juste pour bon. voir, juste parce que là, t'as ans, ça là, je suis à moins 4, je pense. <laughs> oui! Tout est de la bouilloire. Sorte. La bouilloire a fait. Oh, sort. <laughs> moi, moi c'est le pays j'ai été cette année, honnêtement. Là, ouais. Puis, je pars cette année, je parle même pas juste 2022. Là, genre, je recule jusqu'en 2021. Euh, faisant un bout. Là, là, Aujourd'hui, it's no, not there. Hein. No, it's new. It's new. Fait que je sais pas. Commencez peut-être m'aider. Je vais peut-être essayer de trouver de quoi. Là. Lundi, je suis allé voir Anna Meredith au, à, à l'Astral et c'était merveilleux. J'ai vu Colin boudrillon notre ami là-bas. Ah oui? Qui oh, wow. écoute de la bonne musique, Hugo. Bravo, Colin. C'était bon. Ça faisait longtemps que j'avais vu un spectacle. Les musiciens et musiciennes étaient tellement beaux, belles, bons. C'était bon. C'était fort. Ah, wow. Ah, oh, j'ai acheté un chandail. Ah. Je me... Je me suis senti mal. C'est quoi Je... Anna Meredith? Hein? C'est quoi? Euh, c'est ce une compositeur anglaise. Okay. C'est pas comme un groupe. On non. dirait qu'elle fait de la musique un peu comme classique électronique. En enfin, fait, on okay. dirait qu'elle fait de l'électronique, mais comme sa base, c'est un tuba. Wow. Il y a un violoncelle, son guitariste, ça sonne pas tant fait de la une guitare. Une orchestration un peu comme classique, ben, en mais, fait, mais mettons, électro. On dirait du Steve Reich ou Philip Glass des fois, comme okay. sur le speed, mettons. Sur speed. Et vraiment condensé et comme pop, il... mais vraiment fort. Avec la voix, oui, des fois, elle chante, des fois, non. OK. Puis, c'est une compositrice, là, comme... Euh, non, c'est une Anglaise. Euh, Anglaise. Fait qu'en plus, elle était supposée de naître en 2019, pandémie. Anna Meredith. Ouais. Puis, euh, c'était super bon. J'ai eu un billet gratuit, c par hasard. Je savais pas que ça existait. Je réalisais que j'étais en retard pour acheter mon billet. C'était lundi. Je me demandais qu'il n'allait allait pas avoir grand monde. C'est pas comme euh, s'il y avait beaucoup de, de gens qui écoutaient des affaires weird au Québec. Puis, je, je rentre sur le site de Castmaster, puis c'est écrit... Il y a le billet à 20$ Puis il y avait 0$. Puis là, je Hein? Puis là, je clique dessus, là. ça me met deux billets à 0$ dans mon panier. Puis là, je fais Hein? Je continue, je continue, j'ai deux billets gratuits. Puis là, je fais comme, What the fuck is that? Puis là, dans mon email, c'était écrit euh, Paper Ring Ticket. Fait qu'il a fallu je Google Tabarnak, c'est parce qu'il voulait filer la salle. Ah wow! Mais ça n'a pas duré faut longtemps parce qu'une amie à moi l'a acheté. Le lendemain, full price, puis c'était plus là. Fait j'étais comme, moi, je me suis logé in pendant l'heure que quelqu'un a fait un giveaway. Wow. On dirait depuis le vendredi, là, après, je me sentais mal. J'étais comme, collé, j'ai pas payé le billet à Anna Meredith. Fait que j'étais allé acheter un chandail après. Bon, tu vois, économie circulaire. C'était si bon. de merch en plus, on a pu y parler. C'était charmant. Et c'était bon. Ah, Ça m'a donné envie de jouer de la musique fort, là. c'est cool, ça. It was lovely. Tu vois? C'est la première fois que je prenais le métro depuis la pandémie. Je pensais stresser au max, puis j'ai pas paniqué. J'étais bien, il y avait pas trop de monde. Tout va bien. Lundi, c'était une belle journée. <laughs> ah ouais. C'est mardi, un moment donné que ça va. Ouais. <laughs> je comprends. Fait que tu vois, de la musique, ça revient souvent à ça. Ça me rend bien de bonne humeur. De la pense. musique. Euh, moi, positif. Ah, ben, je suis allé voir le film de Batman. J'ai trouvé ça très bon. Très ah bon? bon? Ouais. j'ai trouvé ça super. C'était cool. J'étais avec là, mon ami Julien. Puis, allô Julien, il ouais, pas là. Ça. Non mais j'ai envie mais de dire allô à un maison, ami. <laughs> ouais, dis allô. Puis ouais, non j'ai trouvé ça super euh, de faire ça. Puis j'ai croisé Sonia dans le métro par hasard. mais ben, ouais. Non pas Sonia Vachon. <laughs> <laughs> ouais oui, Vachon! Ouais <Bachon. rire> ah, ouais. Ah, ouais on est de même. Sonia Benesra, <laughs> Sonia <laughs> Benesra. Ben c'est La grande dans le métro. Puis ah ouais. Puis sinon ben j'ai bien aimé aussi la série What If sur Disney qui était bien intéressante. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ça. Ça c'était écœurant. Écœurant, c'est quoi ouais. C'est Marvel, puis c'est comme l'univers un peu euh, spatial. Ici. Si. Ouais, mais j'aime beaucoup quand même les histoires de Marvel. Euh, je trouve qu'ils font bien leur travail de nous raconter des, des histoires. Je trouve que c'est bien fait. C'est très classique, mais puis aussi des fois c'est stupide. Là. Mais je trouve que en tout cas, What c'était un peu moins stupide, puis WandaVision aussi c'était pas stupide, j'ai trouvé. Souvent des affaires de Marvel, je trouve ça. J'ai pas de fun, finalement. Ben ça dépend de quoi? Il y en a que j'ai énormément de fun, mais comme il y en a une bonne moitié que je fais c'est plein de stupides, ça. C'est comme. C'est un peu grossier niaiseux. Oui, mais sauf que tu sais que ça s'adresse à des enfants ou à des. C'est l'innocence un peu. En même temps, c'est peut-être des fois aussi j'embarque moins. C'est pas le gros drame psychologique super compliqué où, tu sais, tu tu vois des détails et puis c'est pas c'est pas power of dog c'est pas ça là pas vu ça moi non plus mais c'est pas ça fait que des fois c'est le fun d'éteindre son cerveau puis de juste faire oui ça, oui c'est vrai quelqu'un besoin... qui a des super pouvoirs bizarres, c'est folle le fun j'avais besoin d'éteindre ah, mon cerveau un peu WandaVision, c'était super j'ai trouvé ça euh, cool trois petits cochons deux pas super ça pas super ça tu vois ça c'est comme éteindre son cerveau mais trop Bandé! ça si j'avais pas vu j'ai vu ça au Body cinéma j'ai pas vu ai ça au cinéma <laughs> ouais, ouais. Ah mec, il pas notre. Chat, moi non. je vais les voir au cinéma les flops. Ah, <laughs> ouais, c'est le fun. C'est une belle expérience parce que tu, sais, tu le vis ensemble, tu vois le visage de tout le monde qui fait. <laughs> c'est tu sais comme à Aline quand je suis allé le voir au cinéma. Tout le monde était un peu comme de d'ailleurs. Hey, moi je, je disais des Tout le monde riait, il était d'accord, <laughs> tu sais si J'ai ben, fait un show là. Ça c'est quand même le fun. Tu sais, te ça, ça, tu passes le juste... chapeau. Ah, yo. <laughs> puis le monde qui rit. Tu fais comment? Hey, positif. On s'en va voir Brian Jonestown Massacre samedi. Ouais, ça c'est fun. Wow, ça, ça, ça pas va, Buzzin. Ouais. Hein. On ouais. prend une petite branche, là, pis on s'en va écouter les gros drones de la grosse Vox Cheetah à Mister. C'est gonna be cool, là. C'est juste un gars, ça. C'est un ben, mais c'est surtout c'est c'est top. C'est surtout Anton, c'est le seul qui peut supporter aussi. Mais il y a plein de gens, il y en a qui le suivent depuis quand même longtemps, il y en a d'autres qui ont changé, puis tout ça, mais c'est sûr c'est plus le projet d'une personne au niveau créatif, peut-être. C'est lui qui décide un peu. Oui, puis il a l'air quand même. Il y a pas comme genre 35 albums, lui? Ah oui. C'est ça, il y en a ouais, beaucoup. c'est le genre là. à sortir un par année, même il y a des Et années. Plus. Il y en a une année qui en a sorti quatre, je pense. <laughs> fait que... Des fois, c'est des astuces d'affaires de 25 tonnes, me euh, semble. Là. Non, ça, pas de temps. Ben pff, je veux dire des fois, là, mais non, c'est plus <laughs> juste, il est, il est juste super productif. Puis là, je pense qu'il fait un peu ses affaires tout seul. Il est installé en Allemagne, puis genre, il wow. fait ses records à son studio. Il... Il s'est vraiment bâti, lui, un fanbase underground où il, y a, pas vraiment, il y a plus besoin de passer par. Non, il peut faire une tournée de du monde puis revenir. Ouais, c'est ça. Comme il a assez de fans un peu partout. Ben, je veux dire, s'il si vient ici puis il joue au ouais. euh, La Tulipe, euh, il va ailleurs, clairement. Tu sais, je veux dire, si tu habites à Berlin puis tu viens au Canada, ça fait que tu quand même capable de faire. Ces, hein. te ces temps-ci, ils font le tour. Il était comme à New York la semaine passée. Puis tout ça, fait que tu sais, je pense que ça va bien. Il a réussi, c'est ça, à se bâtir, sa crowd underground internationale. Puis maintenant, il vit de ça. Fait que c'est ça, là, le fun. Tu vois, il y a de l'espoir un peu pour ceux qui chantent en anglais. Oui, c'est ça. Il faudrait peut-être arrêter de parler en français. Ouais, peut-être. Parce que peut-être que je, peut je suis un peu tanné. We can uh, switch to the English. Là? Yeah. Maybe a little late for this episode. Là, hey, Fabienne, what the fuck is going on with your <laughs> ideas? Non, non, il faut arrêter de parler de Fabien aussi. Just mm. talk about the English thing. Là. English, English thing. penis, English... English. English penis. Hey, you know about the penis? It's, it's funny. English like. erection. Ah, yes. yes, always erection. Ah, là. yes, in the morning, so funny. Ah, Us, uh, the boys, in the morning, always body, Always body, Gonna cross before... Et puis c'est yeah, yeah, it's, it's like un dodo sexuel. Ah, oh, full sexuel, all the time. Yes. And oh, I'm so bad in my couple, like, I, I don't fool anymore. Oh, no. And now oh, I'm so sad. Et... On, on fait juste arrêter cette conversation, on ferme les micros, on va checker, puis il y a genre 10 000 personnes sur le Patreon. Ça a <laughs> tellement marché, l'épisode est même pas sorti. On a parlé de pénis, pénis en anglais 15 secondes, si il y a 15 000 <laughs> personnes sur le Patreon. Oh, attends. J'ai Pantelis sur l'autre ligne. Elle est en anglais, mais maintenant bon, on parle de pénis. Alors les portes ouvrent. Uh, everything sucks. Uh. Moi j'ai rien dit de positif. Euh, ben, je je t'en ai donné, dire, donné un, un euh... affaire positive. On est une journée plus proche de la fin. Merci <laughs> tout le monde. Ah, moi, bonne semaine. Que, ça a fini à Pantelis cet épisode. <laughs> là, ça n'a pas fini. Ça a pas fini. Le euh... <laughs> monde ils vont dire que t'as rien dit de positif. C'est positif, ça? C'est très positif. Yeah. 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 Ce qui est positif. On va se rouler un petit bat là. Là après. je vais aller finir une smoke, moi, c'est ça que je veux. Hey tout le monde! Tough life anonymous. anonymous. Tough life anonymous. You know us, we know you. Life is tough anonymous Vive les séries